C'est à toi. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Et la déconnexion. Bzzz. Bzzz. Allez, c'est parti, les gars, on va. Alors. Oh, ça sent l'arcologie. Ah bah, bien sûr, il y a intérêt que ça parte de là. Ah, c'est exact. Oh. Ah bah oui. Bah, c'est là où finissait la campagne à un certain moment. C'est ça. C'était également une mission avec Cade, si je me rappelle bien. Salut Fizio. Avec le tank. Ouais. Là où il y a le tank, c'est avec le char. Oh, stylé qu'on commence là en vrai. Ah, mais c'est une zone vachement grande, oui. Oh. Oh là là, les paysagistes là. Pouh, vous en avez une bien bonne dans le slibar là, je pense. Attends, mais il y en a un là. Attends, il y a un PNJ là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est en train de d'enlever un nid de frelon asiatique, qu'est-ce qu'il fait? Quoi? regarde tout le truc qu'il y a, frère. Et là, t'as une vieille pub à la cyberpunk. C'est-à-dire que c'est une zone où il va se passer un truc ou c'est un start, ça? Localiser le lieu du rituel. Ah, amélioration des chances d'obtenir des exotiques. Bon, il y a un rituel, donc visiblement, qui dit rituel dit probablement ruche. Au moins au début, oui. Alors, apparemment, on a perdu la connexion, donc est-ce qu'il n'y aurait pas un endroit où il faut peut-être réactiver une connexion? Bah, jusqu'à temps qu'il y a du, y a du stock, action, je pense, Kélia. Je pense, c'est le plus logique. On va voir. Après, attends, mais il y a des pierres bizarres, là, regardez. On est dans l'horizon ou quoi? Oh, ça sent les secrets, les trucs. On aurait peut-être dû regarder les triomphes, à voir s'il y avait des choses à récupérer, mais... Ah, si ça se récupère, il y aura carré dessus, je pense. Il y en a une autre là-bas. Là-bas, ouais, il y en a une autre encore là-bas, il y a un bac. Oh, bah, je pense que c'est l'entrée, là. Oui. Ouais, bah là, on peut rentrer dans les profondeurs. Bah, on y va. Ou tu voulais explorer encore un petit peu? Mais non, mais c'est une vitre. Ah oui. Alors, par contre, il y a un niveau en dessous, les copains. C'est-à-dire que si on se baisse un peu et qu'on regarde, j'ai l'impression que c'est une zone où on peut se déplacer. Ouais, c'est sûr qu'il y a un truc à faire avec les pierres qui doit ouvrir la fenêtre. J'ai une entrée là-bas. Sinon, là-bas, j'ai vu qu'il y avait un truc de rituel là-bas, si jamais. Ouais, je pense que là, c'est pareil, la zone est beaucoup trop open pour. C'est là où j'en suis quasi sûr, vu ce qui se passe. Bah, j'ai une entrée aussi là. Bah, voilà. Réapparition limitée. Je vous l'avais dit, vu ce qui se passe ici. Ouais, mais moi aussi, j'ai un capteur. Bah, moi, il y a un rituel ici. Interrompre le rituel, à mon avis. Vous avez réveillé la ruche. Ah, ouais, non, c'est. Ah, oui, vous avez réveillé le rituel. Ah, oui, okay. Je demande de la ruche. Regarde mon superbe. Hop, superbe finisher. On a le passereau, les copains. Ça, c'est cool. Donc, ça veut dire qu'il y a des zones, à mon avis, où il faut stopper les rituels. Ouais, mais. Il se fait lever. Attends, je vais switcher, je vais prendre... Oh, je l'ai pas! Je l'ai pas équipé, je suis mauvais. Le passage est révélé. Ok, donc j'ai tué un ogre et ça a révélé un passage, les potes. Du coup... Tant que ça révèle pas son passage à lui, moi ça me va. Hein. Ah, il y a... Alors attends, c'est quoi ça? Faut poser des orbes là-dessus? Oh, à mon avis, faut qu'il y en ait un qui cover et les autres qui aillent récupérer des trucs. Ça sent un truc comme ça. Eh ben écoute, restez là, je vais me balader. Ah, regardez! Parce qu'il y a des boules, là, comme des trucs... Ouais. À ramener dans c'est comme les courroucéens, les potes, il y a un truc à récupérer. Ah, c'est la fin du parcours là, alors attends, ça va où tu ça? Tu récupères où toi? Bah juste là, regarde. Mode, ouais, écoute, sur moi, John, moi regarde, je te fais un sacré détour. Il se passe quoi ici? Après, je sais pas. Ah ouais, bah faut le suivre, non? Bah je vois pas l'autre chemin en fait. Alors est-ce que c'est pas... Je sais pas où je suis, mais j'y suis. Il y a peut-être une autre zone à... Là où ah bah c'est ça. Tout à l'heure. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut... Ah je le vois, regarde. Tu l'as? Là, regarde, là où je suis. Rejoins. Je sais pas, il y a rien à y faire, mais regarde à quoi ça ressemble, je pense que c'est ça qu'il faut trouver. Ouais, c'est des statuettes à activer les unes avec les autres, à mon avis. Et donc, si c'est le départ, il faut trouver où ça va. Ouais. T'avais pas trouvé le deuxième merge, là où t'étais parti, là? Non. Attends, retournons au niveau du rituel, il doit y avoir un indice quelque part. Parce qu'on a une partie... C'est là, regarde, par terre. Mais pas tout. Effectivement, il y a un truc, là. Est-ce qu'il faut activer déjà une stèle ou... Mais ça s'arrête là. Ah non, attends, ça continue là. Le Kiri, il voit pareil. Non, mais ça s'arrête là. Je sais pas, c'est bizarre. Bah ouais, c'est ça le bail. Faut peut-être continuer à les tuer, peut-être, non? Pour continuer la création du chemin, peut-être. Ah, ça me paraît... Ou alors c'est ici. Ça fait un deuxième spawn. Je sais pas trop. Interrompez le rituel de la ruche lumineuse. Tout à l'heure, il y avait des espèces de. Là, j'ai un chemin à gauche. De libellules là.
Pour moi, la logique veut qu'il faut suivre les pierres, là, c'est... Enfin... C'est bizarre. Oh, il y a une mythe. Trop cool. Il y a des merdes. Et là, il y a encore un passage vitré. Peut-être que c'est en dessous, non? Ouais, mais comment on y va? Non. Putain. Alors, le truc, c'est qu'il y a... Ouais, je vois les vaisseaux sarcophages dans le ciel. Le Kratos, ça va quoi? Merci pour tes 4 mois de prime. Regarde, c'est moi, Kratos. Là, il y a rien. La porte est rouge. Et d'ailleurs, un moyen et de rentrer, je suis sûr que c'est en dessous, hein, le croyance. Parce que ça, en fait, les marques qu'on voit là, c'était des marques soit qui menaient à un truc à prendre, soit qui menaient à une pierre qui devenait vieux. Non, c'est soit un bingo que je ferais gagner durant le donjon, ça m'a l'air d'être le Scienza Obscura, soit c'est tu tapes point d'exclamation emblème et t'as toute la marche à suivre. En fait, tu vois. Oh, les... regardez. Regarde. Regarde, là, il y a un symbole, vous l'avez vu? Ici, là. Où ça? Là. Il y a le. Ah oui. Je le vois d'ici. Symbole de la division, là, un peu, là. Double division. Ah oui. Et il y a des spawns en plus qui se créent ici. Donc, merde. Allons voir vers le rituel ce qui se passe. Là, il y a une porte fermée. Il y a des mobs importants ici, là. Là, on peut rien faire. The way forward is revealed. On a la voie qui se. Le passage est révélé, donc ça veut dire que ça a dû faire la suite du chemin, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais. Quoi, la suite. Non, ça va me changer, je le vois. Ah, si, il est là. Ah non, il est toujours arrêté au même point. Toujours arrêté au même point. C'est un autre passage peut-être. Attends, maintenant qu'on a vu le signe de la division, on essaye de le trouver quelque part peut-être. Ouais. Peut-être une plaque à prendre. Moi je dirais peut-être à gauche. Non, y a rien ici. C'est quoi ces statues de merde là? Yotania. Oui, les clans sont désactivés. Ah, ça, attends. Vraiment. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, oula, il y a du monde sur moi là. Oulala. Mais en fait, oui, c'est parce qu'on doit continuer depuis le chemin qu'on prend. Et juste ce truc-là nous indique le début de la direction. Et après, il faut enchaîner. Ouais, mais où? Gauche ou droite? C'est assez bizarre. Bah, c'est là où il y a Marston. Ouais, ah oui, j'imagine, là. Ouais. Ouais, ouais, il y a les rituels ici. Oulala, il y a du pipo. Ah oui, effectivement, et regarde, on retrouve le symbole de la division. Ah, mais on revient. En fait, on vient à ces trucs-là au-dessus là. Je viens de péter le symbole de la division là. Et j'ai entendu, tu sais, comme dans Cropta, quand on valide un truc, je vais aller voir au niveau du rituel s'il y a une statue qui s'est validée. Ouais. Ah, il y a une flaque au sol, les copains. Il y a une flaque là, regarde. Juste là, déjà. Ah oui, bah, c'est la suite du chemin qui est révélée. Donc c'est là. Donc c'est par dans cette direction. En fait, le chemin, il indique la direction, mais il va pas jusqu'au bout. Il indique juste dans quelle direction faut partir. Donc là, ça va être dans le complexe. Ouais. Là. C'est... J'ai cru entendre une statue qui s'est validée, mais j'en vois pas, c'est trop bizarre. Oui, c'est là, c'est sûrement. C'est chez... Ouais, c'est ça, ok. Ok, bon, j'arrive. Ok, ouais, c'est bon. Carré. Carré, carré, carré. Sans accent emblème, les enfants. Justement, j'en mets pas pour éviter que les gens se plantent. Ah oui, effectivement, le signe de la division est toujours là. Oh, il y a un gardien de la ruche. Ah oui. Il y avait... Le symbole, donc toujours le... Toujours même, hein. Ouais, ouais, toujours la division, is revealed. Une prêtresse qui se voile. Une prêtresse. Venez, on passe Est-ce par là. Est-ce qu'il y a un chemin qui est parti de quelque part, là? Pour indiquer. Ouais, je check vite fait. Ça doit être vers là où Mergent part, je pense. Je sais non. Pas trop. Ou alors faut faire le tour de la map pour la détecter sur le radar ou... Là, il y a des libellules. Il y a quoi là, ici? Ou alors elle a spawn au centre du rituel, non? Ouais, possible. Possible, ouais. On va y retourner. Oui, je la vois. Ok, go. Au rituel, du coup, allez. J'arrive. Ouais, en fait, tu suis un chemin, le passage est révélé, ça te montre un symbole, tu suis le symbole et ok, en fait, ça va, c'est pas dur. Merci Black pour ton follow. C'est une entrée. Et là, on peut révéler depuis le pilier, il faut banquer. L'illusion a retrouvé toute sa puissance. Ah, et là, on voit les symboles, on voit tous les symboles. Là. C'est là. Là, on peut banquer. Suivant qui est, Vous l'avez banqué ? Et l'autre, toi ? S'il y a un truc à banquer, c'est là où je suis, c'est là où il y a le symbole qu'on a fait depuis le début. Ah, mais regarde, ça va se retirer, c'est parce qu'il doit y avoir, il devait y avoir un chemin à... Merde. Il devait y avoir, en fait, on peut réactiver, là. Il devait y avoir un truc où on devait regarder les symboles et les refaire. On va regarder au-dessus de nous, éventuellement. Parce que moi, j'ai activé le premier qui venait en pensant que c'était le bon, mais non. Essaye que... What? Je suis mort par le ritual, le backlash. C'est une mécanique qui m'a tué. Ok. Est-ce qu'on a tué la prêtresse? Regarde, ton truc a pu respawn là. Delusion Weekends.
Une illusion faiblie. En fait, il faut qu'on chope une. Il faut qu'on chope un truc à banquer. Et en fait, quand tu prends la souvenance, ça t'indique quel symbole il faut banquer. Donc merde, putain. Du coup, j'ai vu le symbole. J'ai vu le bon symbole. Ok, le passage est arrivé. J'ai un chemin là. Ah, faut recommencer là. Ouais, je pense qu'il faut recommencer. Ok, on va suivre le chemin ici. Il y a moyen que ce soit Amaru qui soit ici. Sur moi les potes, c'est sur moi. Ouais, donc c'est toujours le même symbole là, l'espèce de division. On va essayer de retenir le symbole pour voir si ça fait un truc. Quoi. Hop. Ok, passage révélé. C'était où là, après? Ça part à l'opposé, ouais, à l'opposé en tout droit. Faut retourner là où on était, je pense, hein, tout simplement. Là, on voit encore. De toute façon, ça va être tout droit. Faut continuer, même quand tu vois plus le marquage. Tu vas tomber forcément sur un rituel. Sauf que là, je sors de la map. Mais pour moi, faut retourner là où on était tout à l'heure. Bah oui, mais pourquoi ça indique cette direction? C'était où tout à l'heure, vous savez? Bah ouais, mais attends, moi, je vais quand même y aller, parce que... Non, là, y a rien. Là, sur moi, les copains. Sur moi. Ok, go. Oh, y a masse de monde. Oh, l'indication était bourrée. Par contre, pas de spoil ni de backseat dans le chat, s'il vous plaît. Vraiment. C'est, on se démerde, même si on met 107 ans à trouver par rapport à tous les autres et qu'on est des connards. Je préfère être un connard. Yo Dante. C'est par là, les potes. Ça doit être dans cette direction de toute façon. Ça c'est pas encore très clair, je trouve, la direction à suivre, mais bon. Là, regarde, il y a encore le symbole. Ça pointe à peu près la direction. Il y a encore le symbole de... C'est toujours le même, le symbole, depuis tout à l'heure. Ouais, ouais. Membre de la ruche lumineuse, les gars, sur moi. Donc là, c'est le deuxième qu'on tue et... Ah, mais c'est pas la même. Je pense qu'on l'a bien fait, la première étape, mais sans faire exprès. Ouais, à mon avis, ça c'est la deuxième. C'est-à-dire qu'à mon avis, une prêtresse, il faut qu'on tue. Ouais. En fait, la prêtresse, c'est elle qui va déclencher le truc middle. Je pense qu'il faut qu'on tue les trois membres de la ruche de la lumière. Parce que c'est la première fois qu'on tue la prêtresse. Qu'est-ce qu'on a tué tout à l'heure? Attends, je l'ai tué. Tu vois, je peux reveal ici là si je veux. Du coup, j'ai dévoilé. Du coup, c'est là. Nécessite un vestige de lumière. Tu vois, c'est ça. Nécessite un vestige de lumière. Et en fait, c'est ça. Il est où ce vestige? C'est ça que je comprends pas. C'est le vestige. À mon avis, il y a une relique à récupérer ou un truc. Et en fait, c'est ça. Et là, j'ai la vision pure pour voir quelque chose, et ça m'indique des bails. Je sais pas si vous les voyez. Si, en fait, quand tu le prends, ouais, ça t'indique des symboles, mais quand tu vas dessus, ça te regarde dit qu'il faut un vestige de lumière. John, éventuellement. L'illusion a retrouvé toute sa puissance. Mais c'est quoi le vestige de lumière? En fait, c'est ça qui nous manque. En fait, regarde, là, il y a des statues, elles sont invisibles. Et c'est que c'est pas ces statues-là qu'il faut remettre à jour. Non, je suis mort. Votre vestige de lumière est gâché. Quoi? Attends. Non, mais comment tu fais pour savoir dans quel bail le mettre? Attends. Est-ce que ce serait pas avec l'ogre? Ah, le passage est révélé. What? Est-ce Attends. Que du coup ouais, ça. Que là, ça recommence là. Oui, ça recommence. Fail, hein. Ouais, on a fail. Clairement, on a fail. En fait, on a tout le début. Maintenant, il faut choper le délire de. Bah, de l'illusion de lumière, là. Vestige de lumière. C'est ça qu'on n'a pas encore. Est-ce que du coup ça serait pas ces fameuses Regarde le symbole là. Là c'est plus égal. Hein. La bise, Mad, merci d'être passé. Il faut retenir ces symboles là, c'est sûr. Hein, pour moi. Je sais pas comment le dire ce symbole là. Je sais pas, Tipeee. Tipeee. TP. Ou chapiteau, comme tu veux. Ok, passage révélé. Donc là ça continue. C'est pas là, c'est Portez sûr. À gauche. Là, il y a un autre symbole, c'est le même encore. J'essaie de comprendre, par contre... En fait, les symboles, ça sera toujours le même. Ce qu'il faut, c'est trouver le vestige. Quand tu tues le gardien, enfin le membre de la ruche là, de lumière, est-ce que tu as quelque chose qui apparaît sur ton écran quand tu lui fais un finisher?
Parce que moi, c'est vrai que deux fois je l'ai pas fait. Est-ce que ça vous a fait quelque chose? Parce que si ça se trouve, vous avez un temps pour prendre votre passereau et tout de suite aller au middle pour faire quelque chose. Non, non, il y a la prêtresse au middle. Peut-être. C'est quand tu tues la prêtresse que ça enclenche le reste. Passage révélé. Yoton, oui. Là-bas, peut-être, c'est démoniaque. C'était en haut, je pense. Non, je suis sûr que c'est un truc débile. Quand on l'aura compris, on fera... Ah, ouais, c'est okay. En haut, là. Alors... Oh bah tu l'as fait queener celle-là. Ça queen. Docteur Queen. Donc là, ça révèle la prêtresse au mid. Donc on va aller lui taper le cul. Et c'est juste après, l'étape d'après, je sais pas. Elle est là-bas, toujours au même endroit. Je rate dans le ciel en même temps s'il n'y a pas des trucs éventuellement à péter, mais... Donc là, lâche le truc à récupérer. Illusion a retrouvé toute sa puissance. Et là, nécessite... est-ce qu'il y a le symbole qu'on a fait? Il est oui, là. C'était lui, non? Ouais, il est là. On prend le banc. Ça marche. Une statue rituelle se manifeste. Et comment t'as fait pour le banquer? Parce qu'il faut l'illusion quand tu vas dessus et t'appuies sur la touche d'interaction. Mais quoi, moi, à chaque fois, ça me mettait nécessite un. Bah, moi aussi, c'est ouais. Moi qui l'avais. Ah putain. Ah, donc c'est, en fait, quand c'est... tu tues le membre de la ruche alors de quand lumière. Tu tues le mob, il te le donne, si tu te foires, il te refait spawn une fois, si tu te refoires, c'est mort. Ah ok. Ah bah putain, voilà, bah, c'est ça. Je sais pas, parce que moi tout à l'heure j'avais pris le truc dévoilé, ça marchait pas. C'est laquelle pas. Que t'as validé, John, s'il te plaît, c'est laquelle? Le Tipeee. Ah bah elle a disparu, ok, bah même punition, du coup il faut faire ça. Ah mais regarde, celle qu'on banque, elle reste, donc il faut faire ça combien de fois? Non, bah apparemment non, Bulldog. Je pense qu'il faut encore le refaire une fois. Parce qu'il y en a deux qui ont disparu. Je pense qu'il faut le faire pour tout le monde et je pense que ça doit reset les symboles, donc faut toujours regarder quand il y a le truc. Attends, il y a un passage qui a été révélé. Fois le... Ouais, c'est au milieu. C'est par là, non? Je pense, on dirait bien. Ça me paraît loin, là. Là, j'ai un symbole. C'est Tesla, on peut dire Tesla si vous voulez. Ou Vex. On peut l'appeler Vex. Carré dans tes... Ouais, j'en ai quelques-uns, t'en rire. J'ai pas mal looté, ouais. UST. Ah ouais, c'était vraiment à l'opposé de là où on est parti, quoi. Là-bas, peut-être le bâtiment. Non, je vois pas de truc sur le radar. Ah, non, mais attends, ça se spawn que quand t'arrives. Hein. Je crois que dans mon dos, ça apparaît là, attends. Ah non, c'est au middle. Non, je suis toujours en même. Ah bah oui, là, si, c'est là, c'est dans la maison. C'est dans la même maison. Ah. Ça te gêne pas, John, si cette fois-ci je pète la prêtresse pour banquer? Pour que j'ai une POV du banquage, si ça te gêne pas. Pète ta lubulule là. Pète la lubulule. La lubulule. Après, ici on s'en fout, mais. Le passage est révélé, ok, donc c'est là-bas. Je peux craft le fichier auto, ouais, moi aussi. C'est le seul que je pouvais. Si, en fait, vous savez comment on trouve le chemin? Après, il y a les lucioles lumineuses, là. Bah non, t'es parti trop loin, c'est ici. Ah bon? Pourquoi il y a les lucioles de merde, alors? Les trucs, il y en a partout, des mythes. Ouais. Ah, ça spawn un limité au middle, en plus. Attends. C'est un gros monsieur, c'est une grosse madame. Ouais. Là, ça va spawn au mid. Marston, tu peux me le laisser s'il te plaît au mid? Ouais, ouais, vas-y. Pour avoir une POV du truc, tu pourras faire l'autre d'après, je m'en fous, mais. Merde, une prêtresse 10. Après, faudrait voir parce qu'à mon avis, il y a moyen d'en faire plusieurs fois en un coup. Hein. Ça m'étonnerait qu'on ait à chaque fois à refaire ça pour un. Je vois pas pourquoi on pourrait. Enfin, en même temps, il y a rien qui indique d'en faire quoi, plusieurs fois. Tu l'as dit, c'était Tesla. Tesla ou Vex, ouais. Là, je vais la tuer là. Attends, avec plaisir, Tarnis. Ah, bah attends, je vais faire un finisher. Ah! Elle a à l'œil! Et crank! Dévoilé. Alors. Crac. Du coup, il est où? Il est là. Il là est où sur t'es. Moi, non? Ouais. Ouais. Mais regarde, nécessite un vestige de lumière que je n'ai pas. Je l'ai, moi, d'office. Ah, c'est qu'en fait, c'est j'ai au pif. J'ai pas compris, là. Bon, vas-y, c'est pas grave. Regarde s'il y a pas moyen de faire encore. Ah, par contre, attends, mais elles ont respawn, là.
C'est pour ça, regarde s'il y a pas moyen de... Est-ce que je peux... Non, je peux pas reposer, moi. Quelqu'un peut en reposer, là? Non, je peux nécessite un... Non. Vous pouvez pas, là? Non, je peux pas. Vision s'affaiblit. Donc faut vraiment faire ça 40 fois, là? C'est bizarre, quand même. C'est un peu spé. Non, j'ai rien. Ah, parce que là, salut, c'est... Salut Cédric, ça va et toi? Il y a 8 statues, on va pas faire ça 8 fois, quand même. Regarde. C'est infini, mec. Passage révélé. Je sais pas, on va voir. Là, je vois pas ce qu'on fait mal, en fait. Bah, là, c'est le symbole, je sais pas comment vous dire. Comment vous voulez l'appeler? Fer à cheval, si vous voulez. C'est la pieuvre. Ouais, la pieuvre, ok. Go pieuvre. Ok. Passage révélé. Way forward. Et t'as quoi comme buff qui s'inscrit quand tu. Quand t'as le truc là? Ouais, je crois, fais gaffe, mais. Je comprends pas pourquoi je l'ai moi, mais... Ah! Putain, la vache! Je prends T-Max, mon gars! C'est un truc de fou! Je peux prendre tout en même temps. La prêtresse, elle m'empêche de bouger et je me fais fumer. Ah, y a vraiment des mythes de partout. Hein. Les mouvements. Ok, ouais, passage révélé. Ok. Est-ce que c'est là? Oh oui, c'est là. Là, c'est là, ouais. Elle respawn. Là, j'essaye de voir si éventuellement, pendant que vous êtes à un endroit, il n'y a pas... Vas-y, t'as raison. Il n'y a qu'un seul endroit, en fait, hein. J'ai l'impression que... Et crank. On peut pas se disperser pour récupérer des symboles. Ah oui, c'est le symbole de la chaise, ça. What? T'as juté, mon c'était pote. C'était quoi, ça? Il n'y a vraiment qu'un endroit. Je me suis fait one-shot par le spectre. Merci Parapafi pour un objet inerte. Je suis KO. Donc là, en gros, quand t'arrives, t'as activé. Ah, vestige de lumière, c'est moi quand j'ai tué le mob. Ah, c'est celui qui tue le spectre alors. Enfin, c'est qui celui le spectre. Là, je l'ai pendant une minute. Du coup, la prêtresse, elle te redonne peut-être un autre truc, non? La prêtresse te permet de révéler. Essaye de valider un max de symboles là si tu peux. Ouais, mais non, tu peux pas. Une fois et après, tu l'as plus. Ah. Donc là, je dévoile. Donc là, c'est la pieuvre. C'était l'espèce de pieuvre. Il est. Il est là, premier gauche. Ah ouais, bien vu. Ouais, celui-là, là, ouais. Donc là, je banque. Et effectivement, ouais, je l'ai plus. Une statue là, rituelle. Tu perds instantanément. Et donc, faut le faire pour chaque statue, ça. Ouais. C'est vénère. Par contre, tu l'as validé, mais elle est toujours apparente. Elle ne saute pas. Non, elle saute c'est... pas. Alors, par contre, petit truc débile, mais des statues comme ça, il y en a autre part dans la map. Hein. Donc, peut-être que ça donnera un coffre. Ouais, j'ai vu Freestyle que je l'avais. Il y a un ogre là. Ah, merci Mister Deadpool. Non, en fait, pour moi, il y a que. Attends. Le passage est révélé. Je sais pas. Parce qu'en fait, là-bas, il y a une statue. Est-ce qu'il y a pas moyen de banquer dedans Mais en fait, c'est aussi ça que je me demande, c'est qu'une fois qu'on a banqué celle-ci, il y a un nouveau truc qui se dit, je sais pas quoi, se manifeste. Il me semble, si j'ai bien lu, il faudrait qu'on le refasse. Regarde, là, sur moi, il y a une statue. Et c'est le même principe. Donc je sais pas si... Il faudrait... Ok, là où on pète le chevalier, il faut qu'on regarde... Tu sais, on pète le boss qui a le spectre, on regarde s'il y a une autre statue si qui est peux... là. Ouais, si tu peux ramener ici, banquer ici. Peut-être qu'il y a... Moi, ça débloque un truc. Peut-être qu'il faut banquer les deux, du coup. Bah, mais tu peux banquer qu'une fois, donc... Et du coup, ouais, il y a qu'un porteur, en plus, pour... Attends, quelqu'un le voit, le truc, là? Non. Et pourtant, il partait plein mid. Attends. Il est peut-être excentré, du coup. Je crois que ça s'est affaibli. Attends. Bah, techniquement, non, tant que tu l'as pas trouvé... Ah bah regarde, la marque elle vient jusqu'ici. Pourtant je suis allé là où il y a rien, donc est-ce que ce serait là? Ah ouais, c'est là. C'est la flèche du bas. Il y a ces fameuses statuettes dont on parlait John justement dans la forêt là aussi. Passage est révélé. Ok. C'est par là du coup. Ça sent l'intérieur du bâtiment. Ouais, c'est là. Ça me paraît long pour un open, moi. Très
très long, il y a un truc qu'on fait pas, c'est sûr. T'imagines ça en solo? Alors c'est faisable, mais trop long, quoi. Bah, t'as le temps de tuer au moins 27 fois Nézarek, quoi. Au minimum. J'avoue, on va compter en temps, on va compter en Nézarek carré, maintenant. Compter en Nézarek, ça te fait une bonne base. Non, c'est pas là, ça, c'est pas... T'es allé trop loin, quoi, ou... Bah, je sais pas. Ouais, si, t'allais trop loin. Chaque fois que tu parles là-bas, c'est que c'est ici. Putain, c'est un truc de ouf. Ok, je viens de me prendre la max. Est-ce qu'il y a une statue du coup dans le coin? Là j'ai le vestige, il dure 1 minute 20. Donc là, ça veut dire que t'as 1 minute 20 peut-être pour trouver la statue dans la forêt si elle se trouve. Elle ouais, est peut-être à un emplacement bien précis. Ouais, mais alors quel est l'intérêt d'aller dévoiler les statues au middle en fait? C'est ça que je comprends pas. Ça, on le fait peut-être qu'à la fin en fait, mais il faut peut-être activer déjà une statue dans les déjà, bois. Déjà, il faut dévoiler les trucs, faut aller péter la prêtresse au rituel. Je peux pas banquer là où il y a la statue là, donc. Il faut péter la meuf de toute façon là. Ouais, mais tu peux banquer même sans voir, non? J'en sais rien. Ah putain. Non. Et l'Orayan, je sais pas du tout pour le moment. La statue est ici. Donc là, il dit flèche du bas. Je banque. Oh là, okay. Ouais, non, c'est ça, hein, c'est juste ça. Hein. Je pense qu'il n'y a pas plus. Hein. Ok. Ah! Bon, bah écoutez, GG. Attends, mais. Il faut juste faire ça plusieurs fois en fait? Bah ouais, ouais. Ouais, j'ai quatre fois. Faire on l'a fait trois fois là, je crois. Je sais plus. D'accord. Vraiment banqué, on l'a fait. Ouh! Alors, vraiment banqué, on l'a fait que trois fois. Est-ce que dans ces trois fois, tu sais si on a eu à chaque fois un membre de la ruche de lumière différent, justement? Parce ah bah moi, merci beaucoup, Ryan, ça fait plaisir. Si ça se trouve, on en paye trois, mais qui sont de classes différentes. Je pense que c'est un peu random, en fonction de là où il atterrit, le mob a l'air d'être identique, ouais. Mais en fonction du spot seulement. Pas mal le casque. Pas dégueu le skin. Hein. Je sais pas si t'as vu mon casque là, mais. Ouh, il est beau le casque, oui. On a eu chacun le casque là? Ouais, j'ai le casque aussi. Il est beau. Hein. J'ai mis le pour voir. Hop, je viens de l'équiper. Ah oui, ça fait vraiment la ruche. Hein. Ouais. Il est beau, hein. Tu l'as mis, toi, Jin Sakai, là? Ouais, je l'ai là, attends. Bouge pas. Tac, je le mets. Regarde. Ouais, il ressemble beaucoup à moi. On dirait des skins. Ils sont de très beaux, hein. Très, très beaux, franchement. Alors, par contre, on est plus sur un skin type ruche lumineuse que de ruche traditionnelle, on va dire. Un peu, ouais. C'est une ruche évoluée, ouais. On va dire. Alors, attends. Deux secondes, En fait, c'est pas dur. Attends, je vais prendre ça. Est-ce qu'on prendrait pas un moment pour offrir une emblème ou deux là? Bah, ouais. Un petit emblème, ouais. Vas-y, moi j'en fais un. Je vous mute. Vous faites quoi? Vous lancez un bingo ou... Ouais, je vais faire un bingo. Un bingo? Vas-y, ouais. Loulou, tu lances un petit bingo? On est combien sur ce je me mute. Je salut, papy. Aussi. Alors, un petit emblème à gagner. On rappelle. Ouais, de retour. Juste merde, allez, quel trou du cul sur cette scène. J'avais même pas remarqué, mais j'ai pas regardé le. J'ai pas retiré la barre de team. Du caritatif de la fois. Ah merde. La boulette. Allez, c'est parti. Le mousse, merci beaucoup pour les 18 mois. Merci beaucoup, ma gueule. J'avoue, moi, mon prochain giveaway, il est déjà setup. J'aurais juste à sélectionner. Les gens sont tous en train de le faire, là. Ça va être rapide. Oh là là, ça, c'est à l'ancienne, ici. C'est trop bien. La musique est sympa. Enfin, la musique, l'ambiance sonore. Ouais. J'aime bien ce genre d'ambiance. Ouais, ambiance sous-marine. Pensez qu'il y a des. Ça me fait penser à un jeu qui était sorti que sur Saturne, dans l'ambiance Resident Evil, qui se passait dans un sous-marin. Oui. Je sais plus comment il s'appelait. Deep Fear, je crois. De forage. Faut descendre là. Il s'appelait Deep Fear dans mes souvenirs. Alors, à mon avis. Faut descendre là. Attends, ouais, y a pas du. Ouais, y a rien à créer. What? J'ai pris un truc invisible. C'est dégueulasse. T'es sympa là. Après tu peux t'arrêter sur les hélices en fait. Sur les pales plutôt. Ah, regardez les portes, il y a que des trucs rouges. Donc apparemment on peut pas y aller. Ah ouais, regarde, y a un trou là. Ouais, je sais pas si on peut y aller mais. Ah, tiens. Si, c'est là, du coup. GG. Je suis sûr qu'il y a des secrets, des trucs un peu planqués. On va devoir les coffres quoi. C'est très étrange parce qu'on dirait une sorte de base abandonnée en fait, hein, tout simplement, dans le.
Bah on est à l'archéologie là pour le coup. Le bordel qu'il fallait faire pour rentrer, j'imagine que... Attends, comment moi je peux monter? Je suis sûr que je peux en vrai, mais... Ouais. Bah, c'est à droite ou à gauche? Droite. Ah bah Marston... Ah, bah... il manque des trucs l'intérieur là. À l'intérieur, faut tirer dessus, non? Bah collecter. Oh! Oh bah c'est l'histoire de Chihuahuas là. Ça se trouve c'est elle le boss hein. Dans un donjon. Bah vu qu'on la voit déjà en plongée profonde. Ah avec si... Zero oui. Bah oui c'était sa première forme, elle s'appelait Zero avant. C'est Shiro et c'est le... Enfin Zero. C'est point d'exclamation donjon il faut hein. Je crois c'était, c'est son ancienne, sa première forme avant de devenir Zivoaras. C'est possible qu'on tape sa première forme en tout cas. Récupérer. Ça, ça n'aura aucun sens puisque c'est la même... Ah bah regarde, c'est, même c'est elle qui parle, j'étais Xero. Ouais mais tu peux pas taper son ancienne forme, elle est, c'est Zivoaras maintenant. Bah je sais pas, on va voir. Hein. C'est la même personne quoi. Après est-ce qu'il y a pas un délire où dans l'océan c'est le passé qui est bloqué, je sais pas. Je sais pas, on va voir, écoute, on va voir. Je sais pas s'il y a d'autres trucs à collecter mais c'était un genre de truc de l'or. Par contre j'ai dû ramasser par terre en pensant que c'était ça. Mais à mon avis ça devait pas être ce que je pensais avoir ramassé. Il devait y avoir un truc par terre là. Elle parle d'Oryx là par contre, hein. Notre frère. Et du coup ça serait bon, Cédric, je te laisse gérer. Je vous laisse gérer. Moi j'avance. Merci à vous de gérer ça. Mais regardez en face. Regardez, regardez là en face. C'est optionnel non? Je sais pas. De quoi? Peut-être que c'est optionnel mais regarde en face. Ouais mais en face il y a la même chose. Mais c'est pas les mêmes. Je pense que c'est le décor. Mais c'est pas les mêmes. En fait, ceux qui sont activés de l'autre côté, c'est ceux qui sont éteints de l'autre côté là. Ok, c'est là où je suis. Ah putain, sûrement que c'est que du lore ça. Oui, je pense. C'est même sûr. Oh la vache. Mais c'est pas très legit de marcher dans ce genre d'endroit. Ah putain, ça fait penser à Fléau du passé ça. Vous pouvez juste descendre limite. Il doit encore y avoir des trucs planqués là-dedans, c'est sûr. Ouais, je regarde. Oh, j'adore descendre dans les profondeurs comme ça. C'est vraiment trop cool. C'est vraiment joli. Ah ouais, là pour descendre, on descend. Par contre, pas très logique l'architecture, mais ouais. Les architectes sont un peu bourrés. Ça fait un peu Futurama, je sais pas si vous vous rappelez l'épisode où quand t'es trop vieux, en fait, t'es amené à un endroit pour mourir, on te tue obligatoirement, et ça me fait penser à ça. Voilà, bref, les cimetières du futur. L'ambiance. Ah, Futurama, si vous avez pas vu, regardez, hein, c'est exceptionnel. Hein. Oh la vache. Très stylé, wow. Très très cool. J'adore. Là, franchement, fait, là ça commence vraiment à faire sous-marin. Là. Je vais pas te mentir, j'adore. Je suis trop fan de la DA. Ah ouais, quand c'est des trucs comme ça, le néon et tout, moi je signe. T'imagines dans la vraie vie comment c'est un peu. Faut pas être claustrophobe. Hein. Parce que là, tu t'enfonces vraiment dans les profondeurs. Ah, j'espère aussi, Valou, hein, qu'on aura un passage dans l'eau. Yoi Spock. C'est magnifique. Hein. Cool, j'adore. L'ambiance, c'est. Ah là, on arrive dans une étape. Ah là, c'est clairement ce que je kiffe, je vais pas vous mentir. Là. Ouais, puis on a réapparu sur une piste. Non, pas encore. T'es moi. Là, on est dans l'aquarium, là. Oh là là. Oh là, c'est stylé. Là, il y a un boss, là. Là, il y a un boss ici. Alors, il y a des zones. Regardez en bas, il y a des trucs qui brillent. Bizarre. Ah, on va descendre de niveau en niveau, les gars, regardez. En dessous. Ah bah, oui. Ouais, non, c'est sûr. Ah, alors là, c'est sûr que là. Alors, il faut comprendre. 20 000 lieux sous les mers, le chat. 20 000 vieux sous ta mère. Ça doit pas être des. Je peux dire que ce genre d'image, c'est difficile de leur tirer la tête. Oh, il y a Jules Verne là-bas. Alors, du coup. Je crois qu'on a déjà le nom du prochain tirage, hein. 20 000 vieux sous ta mère. Le mec, les mots rallongent. c'est là-bas, les copains, je crois. Non, non c'est ça, pas c'est là d'où on vient. Venom, c'est 20 000 vieux sous ta mère. Ah oui, non, on revient déjà là. Alors, du coup, il y a un petit truc. Je pense qu'il y a. On a eu une réapparition limitée, donc. Ouais, non, mais attends. Ici, c'est étape. Hein. Ah, venez. C'est ah, là. Oui, effectivement. Et ça monte, et ça descend. Oh, du puzzle. Allez, c'est parti. T'es passé par où? Ah, puzzle, le trou au fond de la map. Oh, ah, j'ai récupéré. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Sérieux? Oh, là, c'est du lore. Ça regardez s'il y a le Léviathan. Je suis descendu trop vite, je pourrais pas le choper, moi. Regardez s'il y a le Léviathan dans loin. Dans le loin. Oh, c'est trop stylé. Il y a l'air d'avoir des nids de ruches. Regarde. Et en plus, tu dirais se poser sur ton truc, ça fait le tour, tu vois. Ah, mais il y a des nids, on dirait des nids de la ruche, c'est très. Tu sais, avec des œufs style alien, c'est trop ouais, cool. Ah, il y avait du lore. C'est vraiment les abysses. Tu réémerges le lore. Ouais, c'est ça que je suis en train d'écouter, moi, c'est John qui a pas pris le lore. C'est pour ça, venez sur mon live, c'est mieux. En plus, c'est en français, quoi, donc bon, bref. Ouais, bah. J'ai du goût perso des os.
Mais moi, je respecte ma commu, tu vois. Ouais, bah pas vraiment pour leur proposer cette qualité. Salut, Célène. On peut moi, pas je aller crée là. Des bilingues, petit gars. Je crée des bilingues. Au premier degré. Attends, c'est ah, sûr, il y a des trucs à récup, là. Attends. Il y a des trucs à récup. Par contre, très cool niveau lore. Hein. Tu t'es arrêté... Ah oui, t'es là, John. Je pensais que t'étais descendu plus bas. Mais regarde par la fenêtre, là, c'est très stylé. Hein. Ouais, je regarde. C'est dommage que c'est si loin, les trucs. Bon, je sais pas si on va y aller. Ça donne l'impression de... On est d'accord que cette porte, on dirait qu'il y a un truc à faire pour qu'elle s'ouvre, je sais pas comment. Ouais, mais il y en a trop, des portes, il y en a partout. C'est vrai, c'est pas faux. Bon, bah, je vous invite à descendre. C'est reparti, hein. Ouais, bah ouais, c'est parti. Oh là, c'est plus le cul ce que j'ai à faire. Hein. Plus le cul citron. Petit placement de pub. Je suis pas sûr qu'ils soient très satisfaits de cette pub. On rentre dans l'eau, messieurs. Ah. On rentre dans l'eau, c'est maintenant. On va attendre Marston, parce que je pense qu'il va essayer qu'on se partage les bulles. Je vous propose qu'on se tienne la main. Quoi? Tu vois pas? Non. J'ai un bug de ouf, c'est comme si je rentrais dans l'eau à l'infini, ça me faisait des... Ah! On essaye de se tenir la main, les enfants. On prend les mêmes bulles. Bon, ça va, en fait, il y en a pas mal. Ah, il y a une porte centre-ouverte là-bas, les gars. Ouais, ça va être là-bas, je pense. Il y a une bulle encore là. On l'atteindra pas, là, les gars, on l'atteindra pas. Mais si. Il y en a une derrière, c'est sûr, une bulle. S'il y en a une, tu nous ouais, attends. Ouais, il y en a, ok. Collecter, c'est du lore. C'est pas grave, c'est cool. Franchement. Et rappelez-vous que plus on valide de triomphe, plus on a de chance d'avoir de l'exotique. En vrai, c'est toute l'histoire de Xivu, c'est trop cool. Ouais. Merci RTMX pour le follow. Ah, c'est là, encore, c'est encore entre-ouvert. C'est le moment qu'elle commence à ressentir pour nous, là. C'est entre-ouvert, ça, ouais. Ou pas? Ah non. Sympa, sa voix de doublage, aussi. Bah, venez, on descend. Oh, putain, j'ai pas fait exprès, de toute façon. Oula, là, faut choper les bulles, par contre. Je prends celle-ci. C'est magnifique. Je vous laisse les autres, Ah, mais normalement, si tu la prends... Oh, côté mec, derrière, mais c'est trop bien. Ouais, ouais, par contre, c'est incroyable. C'est, on dirait vraiment un sas qui a pété, genre... Ah putain, Bungie, pour le coup, on peut vous reprocher tellement de choses, ah, mais DA. Tellement pas la DA. Voilà, la DA. Je vais crever, moi, je vais crever. L'effet des bulles, on en parle? Ah oui, je vais mourir. Oh, c'est littéralement fou. Ah mais putain, ça c'est un truc de bâtard, par contre, que tu prennes que pour toi. Il y en a une juste en dessous, là. Je désors direct, parce que je vais crever. Attends, on peut sortir, là. The fuck, je sais pas où je vais, mais j'y vais. C'est magnifique, ces effets de bulles, là, comme ça, même les algues. Merci pour vos follow, les gars. Qui bouge dans l'eau et tout, c'est assez incroyable. Attends, mais Marston... Une bulle que tu prends, elle repop pas. Marston, on peut pas te... Non, 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 je suis tout en haut. Attends, je vais revenir. T'es où, John? Bah, je suis en dessous. Ok, je suis en train de descendre. Si, les bulles, elles repop, mais attends... Oh, il y en a une là-bas. Il me la faut absolument. Attends, prends-la même temps. Vas-y, go. Ouais, maintenant, Mathis. Hop. Parfait. Il y en a une par autre, là. On descend en haut, parce que là, on est kéblo, là. Peut-être sur les côtés, non? Ouais, je au milieu. Sur les côtés, je sais pas. Ouais, viens là sur le côté, viens là où je suis. Viens. Je l'ai pas eu, je vais crever. Ah, pardon, regarde, il y en a deux là. Prends celle du haut, je t'attends pour celle du bas. Ouais, là, celle-là, on a un peu le temps de chercher. Là-bas, tu vois, il y a un flot qui remonte, c'est la sortie là. Ouais, on peut ouais, remonter ouais. Là. Attends, on a de la bulle là, attends. De toute façon, on va remonter donc. Ouais, effectivement, je pense qu'il faut pas descendre plus bas. Hein. Ah, le passage dans l'eau, franchement, je le voulais, ça aurait été dommage qu'il soit pas. Salut, Isop. Ah, regardez, c'est là. En fait, quand tu remontes, ça te sort de l'eau. Oui, je suis. Ah, ok. Tiens, bah, viens, Marston. On est juste masterclass. Hein. C'est trop bien. T'as ramassé du lore, là, encore, non? T'en avais ramassé? J'en ai pris tout à l'heure. Merde, putain. Ah. Voilà. Putain, c'est trop. Ouais, c'est sûrement un truc de l'or qui était planqué dedans, mais j'avoue qu'en 3, t'as pas vraiment le temps. Après, on connaîtra par cœur, là, c'est vraiment la découverte. Il y en a un qui a dit ça va chier des bulles. Oh, elle est belle. Belle. C'est bon, magnifique. Ça fonctionne dans l'eau. Franchement. Oh, what? Il y a une fontaine là? Ouais. Oh, j'adore ces profondeurs, c'est trop et bien. Le bruitage, oh, on en parle. Descend non-stop. Ce qui est marrant, c'est que ça vient en complète dichotomie avec le dernier donjon où on fait commenter. Clairement, il n'y a pas une porte entre-ouverte ou un truc? Là, non, il n'y a rien, on peut y aller. Oh, c'est sûr qu'on a loupé des trucs, mais on va prendre que les trucs les plus obvious. Après, le truc, c'est que c'est chaud.
En découverte solo, je pense qu'il y a moins que tu te mettes bien, mais il y a plus... Ah, je crois que j'ai du lore, là. Oui. Le problème, c'est qu'il est derrière la vitre. Et on peut y aller, il y a une bulle derrière. Ah putain, j'ai plus de bulle. J'ai plus de bulle. Viens avec moi, vas-y, viens. Je vais sûrement crever, moi. Viens, on va la prendre ensemble. Ah, il a sorti, elle est là. Vas-y, viens. Ouais. Tu l'as eu? Ouais, je l'ai eu. Let's go. Alors, il va choper la bulle qui est devant, mais elle est loin. Merci, Rup, tes slips pour vos follow. Ah. Attends-nous pour la bulle si tu peux, John. Ouais, ça sent mauvais. J'allais canner. Il y a une autre bulle juste là, juste après, il y a une bulle. Marston, je suis juste derrière, vraiment. Vas-y, t'es juste derrière. On va perdre un peu de vie. Oh putain, les. Ah, si elle est là, regarde. Vas-y. On prend, direct. Ouais, prends. Le lore, il est ici. Ouais, c'est bon. Ah ouais, go le lore. Et ça, par contre, vous voyez ce qu'on ramasse, c'est les mêmes ressources que ce qu'on avait à l'époque dans le Léviathan. Dans le cuirassé, pardon. C'est vrai. Pour avoir l'arme exotique. Je crois qu'il y a une bulle qui est revenue, Jonathan. Ouais, là, elle est là. On s'attend tous. Allez, 3, 2, 1. Nickel. C'est bon. Et là, faut descendre à côté ou pas? T'es mort en bas. Je crois que c'est du warm-up là. Ouais, faut descendre, ouais, encore. Ah ouais, en dessous là. Ah, parle de Toro Battle. Je vous attends ici. Non, j'ai loupé la bulle. De toute façon, il y a la sortie juste au-dessus. Ah, vas-y. 3, 2, 1. Ah, j'étais en train de crever. Non, je pense que c'est en bas la sortie, non? Bah non, la sortie est là. Ou alors on tourne en rond là. J'ai presque quoi. Bah non, on fait que descendre. On a rien oublié, non? Ok, je vous rejoins. Encore une plongée. Et là, c'est une étape. Ah, ça fait penser à Rapture, quelqu'un me dit dans le chat. Ah, c'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. Après, de toute façon, tous les délires underwater, quand c'est comme ça. Donc là, il faut atteindre l'épave. Qui est où? Tu sais où elle est? Alors, on est au gouffre sacré, les gars, ici. En dessous, t'es en dessous. Sacré. Le gouffre de Helm. Oh, c'est tellement stylé. Putain, franchement, ce donjon pour le moment, c'est un sans faute. Hein. Ouais, il est stylé, il y a une bulle là. J'ai pris une autre. Il y a un autre côté là-bas où ça a l'air d'être la direction, plus. Franchement, je suis attiré par la lumière, John. Je suis comme un moustique. Je suis comme un poisson. Ah bah, il y a du lore. Ah oui, bah, de toute façon, c'était sûr. Je sais pas pourquoi je le sentais. Il me faut cette bulle. Vas-y, viens. La même. J'en prends une autre. Il y a une autre à côté. C'est bon, j'ai un surbouclier, t'inquiète. Je vais prendre le lore. Mais... Yeah, je vais glancer à mon avis. Vous pouvez pas me réa? T'es là-haut? Non, ça va, je suis juste à côté, vous inquiétez pas. Ils auraient dû mettre plus de couleurs dans l'eau. Ah, j'aime bien, moi. Non, au contraire, c'était fait un peu flou. Bah, tu sais qu'à cette profondeur, t'es même censé plus rien voir du tout. Oui, de base, oui. Après, c'est du méthane, hein, donc. Ouais, après, je sais pas, c'est... La densité est plus lourde, hein, donc ça laisse moins passer la lumière, normalement. Merde, du coup, j'ai pas écouté ce qu'elle a raconté l'autre. Bon, c'est pas grave, vous avez eu les sous-titres. Putain, j'ai tellement envie. Elle parle d'hérésie. Putain, mais ça se trouve, on va faire tous les lores et j'aurais oublié que le seul comme un trou du cul. J'ai envie de me balader partout. C'est un truc de ouf. Ok, là, il y a une sortie, mais j'aimerais bien ressortir voir ce qu'il y a derrière avant. Ok, il y a un comité. Hein. Ah ouais? Apparemment, il y a rien de John derrière. Oh, c'était moi une. Je vois rien pour le coup. Il y a des trucs de lumière, mais je sais pas. Ok. Message de Bungie Marseille, vous êtes à 100 000 mètres sous la mer. Ah, ils sont dessus. Ah, d'accord. Bah, en plus d'être stylé, ce que je trouve, c'est que pour l'instant, il y a beaucoup, beaucoup de... Genre de passages, genre juste explos, descendre. Ah, j'adore. Moi, j'adore. Hein. Ça, pour le coup, c'est ce que j'attends d'un donjon. Et ils ont travaillé, le mec a dit 8 mois sur ce projet. Donc je pense que ça, ça en faisait partie. Ouais, je pense. Ce qui est incroyable, c'est qu'on n'a pas vraiment de musique, on est plus dans des trucs un peu ambiance. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment sympa. Marine. Ça change de registre. Ah, j'adore. Par contre, il y a encore une statue. C'est là, très genre, détente. Ouais. Je m'attendais moi, à ce qu'on fasse un truc. Les statues, doit y avoir un truc caché à dévoiler qui te ramène une boule à cet endroit, ça fait pop un coffre devant. Catalyseur, peut-être. De l'arme exo. Ah, bien vu. Et oui, bien vu. Ça va être ça. Parce que on est d'accord, John, que la première statuette, généralement, tu... ils mettent en maîtrise. Hein. Alors, on est d'accord, John, tu sais que la statuette que tu as vue tout à l'heure qui était isolée dans la forêt, tu n'as pas pu l'activer. Non, je pouvais pas, j'avais pas. Donc, il y aura forcément quelque chose, à mon avis, ouais, activé. Ah, c'est pas faux, oui. Je pense que les statuts supplémentaires, c'est le cata, effectivement. Catalyseur ou les coffres, mais j'avoue que catalyseur, ça se tient. Bon, faudra... De toute façon, dès qu'on finit le donjon, on regarde les triomphes et on verra bien ce qu'ils proposent. Bon, bah, on avance. On repasse dans l'eau.
Trop bien. Le trou de balle du Léviathan. Ah bah rien ce qu'il y a en face. Ah bah oui, le trou de balle du Léviathan. Oh là. On s'attend pour la bulle. Il y en ouais, a qu'une. Je suis une barre. Marston, t'es où? J'arrive. J'arrive. 3, 2, je me fais damage. Maintenant, maintenant, maintenant. C'est le cuirassé ça? Ouais, je t'ai dit, c'est un genre de cuirassé, mais celui de chez vous, à mon avis. On s'attend, et je te rappelle qu'ils ont, ils ont tous un montrone, et le montrone, c'est le cuirassé. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment aller fumer chez vous, là. Enfin, zivou. Ah, merde, j'ai... Oh, ouais, il y a un passage, là, si vous voulez. Ah oui. Ouais, il a l'air de mener... Il y a une bulle, il y a des bulles, il y a des bulles, il y a du lore. Et il y a des bulles. Ah. Carré, ça. Ah, ils ont bien planqué le lore. Hein. Oh, tu rigoles ou quoi? On a tout trouvé, déjà. Je prends une bulle et je vous laisse l'autre. Vas-y, James, t'attends. Vas-y, prends. Vas-y, go. Je vous attends pour la bulle aussi qui est là. Ouais, je suis juste derrière vous. Hein. Yoji, oui, non, elles sont tranquilles. Bah, pour l'instant, on n'a pas eu de vraiment de mécanique. Hein. La première, on a mis vite fait 10-15 minutes à comprendre un peu ce qui se passait, mais c'était pas très dur. Parce non plus. C'est beau. Merci pour vos follow, les gars. Désolé, je vous cite oh, pas tous. Oh, un hippocampe. Oh, grosse soirée. Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Comment ils sont nourris? Tombe, elle a dit. C'est, ok, ça aise. On est jeunes et cons, c'est ça? C'est pas lui qui avait fait j'irai juter sur vos tombes. J'irai juter. Tu seras bienvenu chez moi. Oula. Stéphane Escher en mode momie. Non, c'était pas Stéphane Escher. Bien, il s'appelait Escher à la Kratos. Moi. Ah ouais, j'ai déjà fait un petit là avec en mode Aloy. Ah, ce serait pas. Ah non. Regarde, c'est vivant. Ouais, j'aime bien les petits détails. Ouais, ça se résorbe quand tu tires dessus. Ah, c'est là les enfants. C'est des oursins. C'est tellement beau, je kiffe. Putain, je suis fan. Vraiment, je suis fan. Ouais, c'est vraiment beau. Pour ça, là-dessus, il n'y a jamais eu de problème. Oh là là. Oh là là. Vous pensez qu'il y a du lore en dessous? Non, il y a un retourné au combat. Il y a des trucs hein, là en dessous, là par contre. Non, mais il y a un retourné. Putain, je vais creuser. Il y a un retourné au combat. J'ai pas trouvé comment ça, remonter. Ça pue la merde ce que je fais. Oh non, ça m'a poussé. Oh, merci abattu. Mars. T'inquiète. Y'a pas des petits trucs dans le coin là? Genre à droite là? John, on va pas pouvoir très, je pense. Je suis juste en dessous, après il y avait un passage par le dessous mais... Attends, laisse-nous les enculer. T'es où? Là. Ok. C'est ça qui m'a poussé terre, mais y'a encore un truc en dessous. Oh oui, je le vois. Je t'entends. Ok, on peut descendre encore plus bas peut-être? Je suis pas sûr là. Alors là, c'était couillu là. Après, pour un donjon, vous avez vu, il y a que 15 secondes avant de pouvoir réapparaître nous-mêmes. Bah, ici, c'est 45. Mais bon. C'est ça. Là, ça faisait pas trop sens. Putain, c'est tellement beau, mec. C'est un truc de ouf. Et en vrai, la ruche, moi je suis content, j'aime bien la ruche. Oui, moi je crois que c'est ma race de mode préférée, moi. Pareil. Surtout dans leur lore. Dans leur lore. Attends, je crois qu'il y a un truc en dessous là. Oh, c'est la suite, hein. C'est là où il y a la prêtresse. Il reste une prêtresse. Mais je me demande si là, il n'y a pas un truc à ramasser, genre. Un truc en dessous là, ça. Ça m'a saoulé là, c'est bon. C'est vrai que ça sent l'or là dans le coin. Hein. Ouais, ouais, à droite là, tu vois là où t'es là? Sur la droite, il y a un petit coin là, regarde juste. J'ai là, regard... j'ai essayé de... Ouais, j'ai essayé de scoper, je vois pas de l'or. Ah bah. Salut Marston. C'était un bon camarade. Il y a moyen, Venom. Salut Erwin, non, il y a plus. Et de moi, pour le moment, ils les ont virés. Ça serait logique que ce soit Zivou qui se cache là depuis le début, surtout qu'elles sont l'or partout là, mais j'avoue que la foutre dans un donjon, moi, tu me diras, c'est toujours mieux que ça va saouler dans la campagne, mais. Après, ça se trouve, on va péter son verre, hein. Mais son verre, elle l'a en elle. Bah c'est peut-être juste ça qu'on va extraire, et elle va se transformer, je sais pas quoi, je sais pas. On ouais, va voir, de toute façon, on va la séparer de son verre. Ou alors elle va faire... Elle, ou c'est pas elle, hein. Pranquette, tu vois, elle va faire ça, elle va apparaître en... Elle va se barrer sur une mobilette. Parce que comme ça, 20 000 lieues sous les mers... Putain, encore tu sais, ça ferait sens, parce que ça, ces deux sœurs, elles sont là depuis belle lurette, et elle, on sait pas où elle est. Oh lolo. Ça pue de l'or là-bas, on est d'accord. Hein. Ouais, non, 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 ça pue pas de l'or. Non, non, non.
Donc là, il va falloir descendre. Ouais. T'as l'immensité du truc. Ouais. On s'attend pour la bulle. 3, ouais, 2, maintenant. Voilà. Ah là, mais là, on rentre dans le cuirassé, là. L'écran qui pète, ça me fait penser à Samus un petit peu. Mais c'est le cuirassé de... Merde, putain, attends, je vais... C'est le cuirassé de Zivou. J'ai pas sauté, donc en fait, c'est juste. En plus, c'était la fin. Ah ouais, non, mais là, c'est le cuirassé. Oh, putain, je suis propulsé dans D1, gros. T'es dans les petits couloirs à la con, du cuirassé. Oh, attends, oh putain, ils nous ont remis là, attends. Là, c'est vraiment incroyable. C'est le cuirassé, mais pile poil, genre vraiment le même, quoi. Trop bien. T'es là, Marston, pour la bulle ? Vas-y, mon poulet, on peut y aller. Nickel. Oh, j'ai vite sauté. Oui, après, c'est vrai que ça, vraiment, c'est la roche lumineuse, donc en soi, ça aurait pas vraiment de sens que. Que ce soit Zivou, mais. Allez, c'est les cours océans. Zivou. Ouais. Après, c'est possible que Savasoun ait envoyé ses mobs pour essayer de trouver sa sœur ou de la protéger, du moins. Oh, j'ai loupé la bulle. Ah, non, c'est bon. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. C'est par où ensuite? Ah, bah, il y a juste à sortir. Ah, oui, il y a une faille dans le cuirassé, quoi. Ok. Oh, mais il y a quand même son champ de force qui le protège. Tu te rappelles tous les petits verres qu'il y avait ici sur D1? Ouais. Tu balader dans les couloirs et tout. Ah, c'est la même chose, c'est incroyable. Bon, là après, c'est plus la ruche lumineuse, on a l'habitude avec The Witch Queen. Non, j'ai tout retourné là-bas, y'a rien. C'est merci à Aomin pour le follow, merci beaucoup. Le cuirassé, quoi. Retour de Savasoun, mais ça n'aurait aucun sens, on sait où aller. Bon, c'est où l'étape où il va falloir de l'étape de l'arme long range là. Explorer l'épave. Qui c'est qui veut explorer mon corps? C'est moi l'épave. Y'a pas un truc là ici? Moi je suis l'EHPAD. Moi je suis l'iPad. Moi je suis l'iWatch. Ah attends. Oh. Oh ouais, ça c'est bâtard ça. Les gars, y'a un truc en bas. Y'a quoi je crois? Attends. Attends, je sors la vigie. Ah bah non, y'a rien, c'était l'humaine. Si, tu vois pas le lore là-bas? C'en est ça, non? Regarde au fond à gauche. C'est l'humaine. Il est beau, hein, ça tire dessus. Je le vois pas. Oula, attends. Ah, oh, on dirait des lumens, non? C'est là où t'as voulu aller, Marston, non? Bah, des lumens, tu devrais pas, toi. Ouais, ouais, c'est des lumens, en fait, qui sont tombés, je pensais que c'était... Ah ouais, on a exactement les mêmes lumens, tombent au même endroit, quoi. Je veux bien essayer d'y retourner, attends. Effectivement, c'est des lumens. Ouais, c'est des lumens, je me suis fait avoir. Par contre, pour remonter... Là, faut remonter ouais, ici. Ouais, c'est bon, on peut y aller. Moi, j'ai un saut très court. Je vais même les la fontaine et tout là, il est vraiment beau hein, par contre. Hein. Attends, mais moi comment je remonte pour l'instant, chaque zone qu'on a explorée, enfin je le précise quand même, a été une zone différente sur toutes les étapes quand même. Attends, est-ce que j'ai les piétineuses? Ah, ouais. C'est magnifique. Enchaînement de biome. Chaque phase de ce donjon ne se ressemble absolument pas. On est vraiment sur des thèmes totalement différents. C'est vrai que ça pourrait être aussi le cuirassé de Savasoun qui s'est planté là. Hein. Et vu qu'elle est arrivée avec sa sœur, c'est pour ça qu'il y a l'or de sa sœur partout. En bas à droite, non ? Je me suis mis dans une merde. Je sais pas s'ils en ont pas planqué dans des. Ok, ça a l'air d'aller. Ok, c'est bon, j'ai réussi à remonter. T'as le coin de pêche sur Nessos qui apparaît pas ? Bah, tu relances, je pense, c'est plus simple. Pas des trucs là dans le coin ? Cachés derrière, là, des fois ? Je sais pas si vous êtes passé là où je suis. J'imagine que oui, mais bon. Ouais, on est obligé. Et au-dessus là, y a pas. Sur les parties hautes là, parce que des fois ils. Moi, pour le coup, ici, ça ressemble pas à un endroit où ils auraient pu en mettre. Du lore. C'est la porte d'entrée là. À mon avis, là, c'est l'étape juste après, parce que c'est la porte d'entrée là. J'ai un roadmap ici et. Non, y'a rien. Y'a rien là-bas, on est d'accord. Hein. Ouais, non, y'a rien. Non. Ok, bon bah go. D'ailleurs, derrière ça, il pourrait cacher du lore bêtement. Est-ce qu'on referait pas un petit emblème du coup avant d'aller derrière cette porte? Ouais, je pense, hein. Visuel pour que ça soit mieux. Ah bah, carrément. Allez, on y va, les gars, on tape le cul à je sais pas quoi devant. En fait, on était pas encore vraiment arrivé, hein. Ah, attends, c'est au-dessus, hein? Ouais, c'est au-dessus. Ah, je vois, ça s'active sur le radar. On rentre dans un colon là, mon pote. Hein. Ça te rappelle rien, ça? C'est, bah, c'est si. Pareil que... Le logo qu'on voit. La campagne de Witch Queen, hein. Ouais, c'est un colon là. Ah. Attends, ça pue de l'or par ici ou je sais pas quoi. Oui, je pense que là sur les côtés, il y a moyen qu'il y ait un bail.
Ou alors il y a des mauvais trous et des bons. Ouais, ça pue le mauvais trou. Ça me rappelle, tu sais, le mur. Le mauvais trou, tu sais, un peu d'inexpertise et t'as vite fait de te tromper. Salut à tous au passage, salut Edison. Il y en a en haut, je sais pas si t'as vu, il y en a en haut. Ah ouais, non mais là on est sûr de se faire baiser. Deuxième en partant du haut, je tente. Je tente le premier, moi. Y'a quoi là-dedans? C'est bon! C'était le premier en haut! Non! En fait, y'a pas que lui, mais le premier en haut, mais on faisait partie. Ouais, tu peux te rattraper quoi qu'il arrive, mais. Le premier, ouais, c'est le plus facile. Attends, je vais prendre les piétineuses. Donc c'est celui qui est tout en haut à gauche? Okay. Ouais, en gros, lui, t'es sûr au moins d'arriver, quoi. Oh là, ça se trouve, dans les autos, il y a peut-être du lore. Bah, sinon, tu fais comme ça, hein. Je suis bon. Genre, t'as pas un. Je regarde s'il y a du lore, mais y a pas l'air. Merde, mais je suis un débile. Oh, j'ai pris un coup de boule. Je me disais, est-ce qu'il faut plonger dans l'eau? Réponse. Ah, bah là, 45 secondes. Ah merde. Ah là c'est la piétineuse qui m'a mis dedans, tu vois. En plus ils vous ont mis... Attends, toi je te peux 13, mais pas Marston. Parce que Marston il a pas touché le sol. En vrai moi c'est la piétineuse qui m'a fait chier. J'ai pris un coup de boule... Ah si merde. Il faut remonter là-dessus je pense. Ouais. C'est en face hein. Bah ouais ça a l'air. On va attendre Marston là-bas, moi il connaîtra le chemin. Ça sent le lore quand même. Mon chemin. Ça pue le lore partout. Surtout que ça fait un moment qu'on l'a pas pris. Putain. Oh. Il y en a pas quelque part. On dirait bien une bonne dizaine facilement comme dans le. Comme dans le Léviathan là, tu sais, dans le donjon. On est pas mal à ramasser aussi. Hein. Ah, Cimeir. Ouais. Ouais. Et avec ça, tu fais des super pommes au four. Super pomme au four. Coucou Sophie, comment ça va? De l'eau. Merde, je suis dans l'eau. Je l'ai pas vu arriver. Ah oui, effectivement. Je peux peut-être t'attendre. Ouais, t'as le temps, je pense. C'est Marston qui est dans la mouise. Ah, réapparaît. C'est bon, il y a une bulle juste après. Mais il y a un boss. Ouais, regarde la gueule qui se ah. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, il a pris la bulle, il s'est barré. Oh, comme il m'a ban. Il carotte les bulles, maniez-vous. Oh, le fils de pute. Non, la prends pas, Marston. Oh, je suis fou. Ah, bah, il m'a mis... Là, il y a une bulle, je vous attends. Ah, c'est là, ça sort par là en plus. Trop tard, il me l'a pris sous le nez, Marston. Attends, c'était par où? J'ai vu à l'instant là. C'est par là. Non, j'ai 45 secondes, ils abusent de fou là. Attends, c'est trop bien, tu te fais. Qu'est-ce qu'il fout sous la mer lui? C'est lui le 20 000 vieux sous la mer là. Oula, je vous attends parce que je crois que c'est la prochaine étape. Ah ouais. Mais ah bah là, elle a tout looté. Elle a trouvé le bon numéro. Je suis sûr, il y a un lore planqué là-dedans. Je pars en reconnaissance sur chasse lore de merde. Là, il y a encore une statue ici. Hein. Ça pue le catalyseur ou un truc du genre. Ah bah, nécessite un vestige. Ah ouais, de il garde la porte, le salaud. Ça se trouve, il garde la porte du lore. Hein. Ah. Tu l'entends se faire défoncer en bas. Il garde. S'il y a une porte, c'est qu'il garde la porte de quelque chose. C'est sûr. Non mais gardez ça à cet endroit pour pas qu'on monte ce crochet. C'est peut-être passe-partout, il a peut-être la clé. C'est le même principe que la première, nécessite un vestige de lumière, etc. C'est le même délire. Et tu vois, il y a encore une... Ouais. Bah de toute façon, ça va être, je pense, la même mécanique tout le long. Ouais, c'est sûr. Allez. Ouais, faut mettre la rance sur lui, plus la monte, ça devrait être pas trop mal. Et à voir ce que ça donne. Personne peut prendre tous les symboles en même temps. Je crois que tu peux choper qu'une seule rune. Non, un seul à la fois, c'est par contre tu meurs. Tu clames, ça marche. Après, tu t'étais peut-être trompé aussi. Hein. On peut essayer si tu veux. On peut essayer cette fois-ci de voir. Ouais, je vais essayer d'en prendre plusieurs. Ça se trouve, c'est plus rapide. Hein. Parce que les trucs, elles se cumulent. J'ai fait de la merde. Donc, J'arrive. Salut, no gain. Wesh. Mais il meurt un fou. Tu meurs un fou. Il voulait mon cul, lui, putain. Moi perso j'aime beaucoup le gameplay en bas hein, donc ça me gêne vraiment pas d'y aller. Vas-y je clean. Ok. Donc. T'en prends deux John? On laisse un. Pieuvre, égal. Laisse-moi la division, enfin le égal, et prends les deux autres. Et la pieuvre est à côté je crois. Je prends le égal, ok. Je te laisse les deux autres. T'essayes de prendre les deux du coup. Tiens, on la prend ensemble, J'avoue j'aurais dû prendre ça, je suis trop con. Ah, y'en a une autre là-bas, je peux l'avoir. Je t'attendais en plus. Ah, je l'ai. Le clit est là. J'ai eu la pieuvre et la croix, elle est là normalement. Ouais, j'ai les deux là. Bah, on va voir si je meurs, c'est que ça marche pas.
Attends, faut les avoir. On peut en prendre plusieurs. Jeff Croix, c'était quoi le dernier? La division, prends-les si tu y es, parce que moi j'ai dû ressortir. Je l'ai. Ouais, bah sors alors. On pète la prêtresse. Ok, donc on peut prendre les trois symboles en même temps. Bah bon, ça à savoir. Va beaucoup plus vite. Après, faut bien connaître les emplacements, quoi, mais... Oh, elles sont toutes là. Bah du coup, pour le solo, c'est bien. Par contre, pour le solo, dès que tu sors de la flotte, c'est... Ah, c'est Bagdado. C'est vénère, hein. Faut clean, hein. Prêtresse de mes deux. Non, reviens là, reviens là, reviens là. Ah, mais du coup, faut que tu tues quand même les trois prêtresses, je pense. Je les tue. Je devrais essayer de les tuer en même temps pour voir, mais j'essaie de les tuer une par une et de banquer, parce que je suis pas sûr que ça marche, sinon. Ouais, il faut une par une. Quelqu'un d'autre a tué une prêtresse. Si vous avez tué une prêtresse, il faut que vous banquiez, c'est vous qui avez le truc. Non, non, on a tué personne pour le moment. Moi, j'ai pas touché, moi. Bah, j'en ai eu deux, des prêtresses. Là, il y en a une là où je suis. Il y en a une au middle, là. Qui me casse les couilles, j'arrive pas à l'avoir. Merci. T'as tout banqué, là, du coup? J'ai banqué la dernière, là. Vas-y, on va au middle, là où le garde-puits apparaît. On le défonce à l'épée, on enlève le bouclier de l'autre merde et go. Il y en a un ou deux, il y en a deux, je c'est crois. C'est bon, go, il a plus de bouclier, go, 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 son bouclier. Oh la vache que je mange. Oh, c'est un peu de la merde. C'est pas fou furieux, merde, je pense qu'il y a mieux. Au moins on a essayé. Si c'est les munes au long terme qui va être compliqué. Ok, mid-life. Life, hein. Faut les munes, quoi. Mais ça en solo, ça veut dire que tu fais 22 tours, quoi. Donc il y a un problème. Je vois pas ce qui pourrait... Je pense en solo, faut lance... Même à plusieurs, il faudrait du lance-boule et tout, je pense. Hein. Ou du rocket. Je veux bien switcher sur une tête brûlée, hein. Non, y'a pas de mode contest en donjon. Yo, t'as un Ariel. Il faut péter l'ogre. Moi, j'ai eu des munes, mais il a ramassé par 10, mon pote, on est pas arrivé. Ah, si, j'en ai là aussi. Vas-y, tu sais quoi, je vais switcher sur le rocket, on verra ce que ça donne. Évidemment, j'ai plus qu'une mune, mais bon. Ok, go en bas, je pense. On va voir ce qu'il y a comme symbole. Deep side déjà. Les 3 points. Clit de croix et 3 points. Bon, vas-y, on descend et on voit. Tiens, on la prend en même temps. Maintenant, hop. Mince. Tu l'as eu? Ouais. Ok. Là, il est accroché où elle est maintenant, c'est bon. Le clit est dans le coin. Le clit est à côté. Je l'ai, j'ai le clit. Pourquoi il me fait que moi, frère? Il me kiffe, ce connard. Je remonte pour le clit et je te laisse faire l'autre. J'ai la prêtresse sur moi, les copains. Ah bah. Tu me dis quand elle est morte. J'ai les 3 points. T'avais juste à côté littéralement du clit. T'étais à 1 cm. Elle est où la prêtresse là? Essaie de tuer tous les prêtresses sans banquer pour voir ce qui se passe. Vas-y. Ah oui, il y a du monde là. Ah, elle est là la prêtresse. Putain, je la cherche depuis tout à l'heure. Merde. Elle est dans la grenade. Et les deux autres en bas. Ils sont en face. Je viens d'en tuer une. J'ai le vestige de lumière. En tuer une autre. Allez, j'en mets une lourde là si tu veux. De toute façon, bah, faut que je banque la mienne. Vas-y, allez, tu peux lui faire un coup de grâce à la dernière, je crois. Bah, j'y vais. Kratos! J'ai pas encore ma faille par contre. Vas-y, John, tu banques ton dernier. J'ai pas encore. Merci pour ton prime, Waza, merci beaucoup de ton soutien. Je vais bientôt, les copains, mais j'ai pas encore. Tu veux que je te fasse un clean avant de banquer? Oh, super. Pas non, j'ai besoin de 2-3 armes encore. Pareil, si je peux choper de la lourde aussi. Ouais. Par contre, ça pendant le DPS, c'est monstrueux, c'est un peu con de le gâcher. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je l'ai. Je vais banquer. Ah! C'est bon. J'aurai qu'un rocket. Ok, il est sur moi. Je le bute, hein.
c'est bon. Oh le salaud! Oh, oh merde. Oh lolo, il est insupportable ce boss. Ah merde, il est immunisé. Ouais, ah, faut venir dans le truc. Je vais craquer. Je vais craquer, même dans une radiance, tu te fais instant. Mon dieu, qui va être insupportable ce boss. Merde, je suis un débile. Je suis trop con, merci. Non mais moi j'ai rien fait gros. Et là par contre putain j'avoue que le strap DPS c'est un peu l'enfer. Je sais pas, ouais je sais pas ce qui est le plus petit. A 3 ça va mais... Puis là en plus j'avais qu'une roquette. La survie en fait, je me demande si quand t'actives ça... c'est avant d'activer faudrait pas faire un clean, est-ce que ça respawn encore ou pas? On peut essayer. Parce que c'est les mobs qui sont insupportables. On peut essayer un respawn si vous... Ah putain, un clean. D'accord, je vais me faire péter dessus par 60 000 mythes. C'est un enfer. Ouais, non, le boss chaud. Il te rush pas, si tu te mets dans les escaliers du fond, merci. Il vient pas te chercher. Mais le problème, c'est là où. Enfin, faut péter le garde de mes couilles là. 40 tracteurs et double slug. Ouais, ouais, je crois pas, ouais. C'est pas faux. Avec un titan. Quoi oh. Là, 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 c'est quoi qui me. Parce que quand j'ai plus mon marteau, je suis vraiment tellement vulnérable, mon gars. Oh grand. Oh merde. Ah, j'ai pris une stup. Ah, c'est pas ça, il est insupportable. Par contre, les boss chevaliers de la ruche, moi je peux pas. T'es content de la lame lumière qui revient pour la GM? T'as pas idée. Ok, on peut se noyer dans les profondeurs. Du coup, qu'est-ce qu'on a? La pieuvre, la division. Égal pieuvre et l'autre, c'est genre un symbole bizarre, je crois pas qu'on l'ait déjà eu. C'est la division le dernier. Ah, c'est égal que t'appelles toi. Je l'ai d'ailleurs, ça y est, je suis dessus. Moi j'ai pieuvre. Mais le dernier, c'est genre une croix, mais avec un signe égal au-dessus. C'est une demi-croix du bas avec l'égal au-dessus. Je l'ai pas vu celui-là, je crois pas qu'on l'ait déjà eu. J'ai une prêtresse de la lumière là sur moi. Merde, attends, j'ai pas de bulle. Ah, si, j'en ai une. Oh putain. Je l'ai mise low. Faudrait peut-être qu'on aille revoir le symbole parce que je t'avoue. Si, moi je l'ai en tête, mais je te cache pas que je l'ai viens pas. Viens voir là-bas, là où je suis, viens voir là où je suis, il y a des symboles bizarres qu'on a jamais fait, je crois. C'est genre le croix du bas, la partie bas de la croix, mais au-dessus c'est un égal. Ah bah je l'ai. Ouais, c'est ça, prends-le. Bien joué la prêtresse. Ouais, je te l'ai mise low, ouais. Non, elle a pas trop régène logiquement. C'est bon, je l'ai enculé. Cimer. Il y en a une deuxième là. Je te la descends un petit peu. Allez, l'eau. Ok, je peux banquer deux fois du coup. Ok, j'ai encore le truc. Effectivement, si tu prends les trois prêtresses, pardon, tu peux banquer direct, ça s'enlève pas. Ah, ouais, ça se stock. Ouais, ça se stock. Je viens d'en faire deux. DPS. Attends, on clean. Ah, mais il a envoyé là. Ouais, ah, merde. Merde, je suis dans l'eau. Oh le con, je suis tombé. Je reviens. Je reviens les copains. Vous êtes en train de tuer le boss, je suis pas là. Reviens bordel. C'est bon, je suis là. Ça suffit de faire le pitre. Oh là là, ce qu'il va prendre en grenade. Regarde ses pieds. Let's go. Il s'est pris une olive à la fin. Ah, il a mangé. Attention, parce qu'il y a un spectre. Hein. Si vous le pétez pas, c'est reparti pour un tour. Olive sur olive. Est-ce que c'était le boss final? Grande question. T'es un malade. Bah, je vois pas fin de mission. Torse, mais c'est que le deuxième. Oh c'est quoi ce qu'on a eu là, un glaive? Toi, t'as eu un glaive. Salaud. Ça va. Hey, il ressemble à un harpon. Et par contre, le stuff, il est vraiment mignon. Pour une fois, les donjons ont toujours les stuff dégueu là, celui-là, putain mon gars. Assez mignon. J'ai eu un pistolet mitrailleur. Fais voir l'équipe. Quartier. Ouais, je le mets si tu veux. Merci pour les GG's. Il est blouge. Allez, pour fêter ça dans le chat, regarde, ça part pas plus long que ça. J'avoue, Cédric, si tu peux... Oh, joli ton pas de quartier. Si tu peux valider le draw, ça serait génial. Putain, on dirait un nerf un peu ou un Playmobil, il est sympa. Du coup, je pense qu'on peut descendre là et la porte qui était fermée doit être ouverte maintenant. Ouais, la porte, je pense, doit être ouverte. J'ai fait gagner le troisième emblème aussi, c'est tombé sur l'eau basse. Bah non, regarde. J'ai le lot. Ah non, ouais. Ça doit être là d'où on vient du coup. Oh oui.
En face. Si, regarde, en face, c'est ouvert. Là, c'est là. Point d'exclamation. Chevalier casse-couille dans le chat, on y va à fond, messieurs dames. C'est là, c'est là. S'il y a une bulle, attendez, parce que je vais claquer, moi. Non, il n'y a pas de bulle, c'est direct la sortie. Bon, si je l'atteins pas, je queen. Merci Topek, merci beaucoup pour ton troisième mois de soutien, ça fait plaisir, merci beaucoup. On est sorti de l'eau, enfin. Ah, on y retourne. Ouais, hein. Les mécaniques sont sympas, ouais, carrément. Je vous préviens, on y retourne dans l'eau. Par contre, aucun coffre hein, pour l'instant, donc on a sûrement loupé. Hein. Oh, regardez en face. Et je vous dis, oh. Venez, je vous attends pour la bulle, venez, venez. Ah ben oui. Regarde-moi ça. Allez, on prend la bulle. Ouais, c'est vraiment beau. Oh, ça repart dans les profondes. Oh là 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 là. C'est stylé. Il y a une autre bulle, on va s'attendre pour la prendre. C'est un poisson chat. John, on t'attend pour la bulle. Ouais, t'inquiète, y'a le temps. Hein. Je suis comme toi, j'aimerais admirer, mais. Mais y'a le temps, de toute façon. Regarde comment il s'arrête. Merci pour tous vos follow, les gars, merci beaucoup. Et aux amis d'Harry, ça va quoi? Allez, point d'exclamation, chevalier. Casse-moi dans le chat, les gars. Oh. On en tire dans pas longtemps. Hein. Ah, je me régale, c'est une très très belle c'est découverte. C'est trop bien, hein, c'est. Ouais, j'adore. Le donjon sauve la saison, littéralement. Même si la saison est pas achetée. Avec plaisir, mon Lolo. Bien joué à toi. Oh bah ça a juté par ici. Non, Denki. Là. Le berbise. Est-ce que de l'autre côté, il y aurait pas un... Attends. C'est genre un lore, une connerie, où les deux mènent au même endroit. Ah bon, on s'est fait baiser. Okay. Bon, moi, on est sûr. Classique. Pour gagner l'emblème que vous avez en haut à droite, Midari. Putain, je sais pas combien de mètres on est sous terre là, mais. Ah bah là, ça descend, ça descend. C'est stylé. De toute façon, en DA, hein, encore une fois, hein, Bungie en DA. Hein. Fantôme des profondeurs, bon, on arrive à la fin. Hein. Oh bah, clairement. Oh oula. Oui. Oh oui. Fantôme oh, des profondeurs, bah c'est le nom du titre du donjon d'ailleurs. C'est ça. Ghosts of the Deep. Oh putain, il y a des statues. Attends, bah déjà on avance, tu sais quoi, vas-y, on avance. Bonne vigie sa mère déjà. J'ai que des armes de courte distance, ça vous plaît. Zir. Ok, c'était sûr. 200 000 mètres d'après Bungie Marseille, ok. Quelle okay, encarte ouais, j'espère que ça vous plaît dans le chat comme cette petite découverte. J'espère avec nous. Tiens, là, il y a quoi? Je suis pas prêt pour voir la fin, bah attends, pas de spoil hein, du coup, hein. Que je découvre ça. C'est ça aussi le plaisir. Juste traverser, hein, c'est juste une étape de traverser, je pense là. Pour le moment, ouais. Mais je pense que, je sais pas, avec les statues et tout, on va voir. Ça aurait été bien s'ils auraient pu mettre sur les membres de la ruche, genre des coquillages, tu sais, sur leur tenue. Corail et tout ça, ça aurait pu être vraiment marrant. C'est déjà, ce qu'ils ont fait, ça a déjà un peu le cas de la ruche lumineuse. Ouais, oui, pour la ruche lumineuse, ouais, c'est ça. Alors c'est pas... Si, c'est plus loin, je pense. Hein. Écoute, c'est cette prêtresse ouais, c'est que petite j'aimerais... Petite étape platforming. Hein. Putain, elle m'a fait chier. Là. Ah, mais il y a combien de... Je suis sûr que ça se skip tout ça. Bon, après, les vigies, compliqué, mais... Ah, mais il doit y avoir un lore là-dedans, c'est obligé. C'est là, c'est magnifique, hein, là, non, ce plan sûr. Avec les effets d'ombre et tout ça. C'est trop beau, c'est trop trop beau. Même les fresques et tout sur les... C'est quoi ce gros tas de merde là qui est mort? Putain, on dirait fausse couche de Madaron. Là, c'est une merde fumant. C'est quoi ce truc? Il y a un truc pour monter là. Il y a un trou là en dessous, les copains. Putain, j'avoue, ça va déjà faire 2 heures qu'on est sur le donjon. Oh bah c'est là. Hein. Peut-être du lore à des étages. Bon bah on est encore dans les... Oh putain, ça s'arrête jamais. Non, c'est que de la oh, descente. Oh regardez, il y a de l'eau là-bas. C'est pas vrai, regardez qui ça c'est. Ça va Toon. Non. C'est le Cordorix. Quoi? Oh là ah, là, oui c'est Cordorix. Oh là là. What the fuck is that? Regardez. C'est Oryx qu'on a tué dans le raid. C'est Zivou ça. Hein. Et regardez, il y a un spectre. Vous avez vu là? Il y a un spectre qu'on peut... Il allez, essaie de réanimer Oryx. Allez, essaie de le faire putain. Passer gardien. Je suis sûr que c'est pas ça. Pas vrai. What the fuck? Attends, je prends une petite photo là. Ouais, ça... C'est le corps de Rix qu'on a tué dans le raid de D1.
Il est parti à la dérive, il a tiré. Il est parti sur Saturne, et il est arrivé sur Titan et il est tombé dans les profondeurs. Mais mec, c'est trop bien. What the fuck? Oh my god. Alors, je reviens un peu terre à terre, hein, mais il y a trois entrées de flotte, une à droite, une en face de nous là-bas, et il y en a une vers la prêtresse sur sa gauche. Bon, des méchants, très méchants. Ah, c'est pas... Moi, en vrai, je le prends avec le smile. Tu là, vois. On s'est fait un petit peu détruire. Moi, j'avoue que j'ai le smile de couleur jaune. En tout cas, voilà, tapez mythe hein, pour l'emblème. Ah, voilà, c'est un couche. Vous êtes prêts? Ouais, ouais. Il est fou là. Mon dieu. Je vais essayer de garder mon nul. Par contre, en termes de DPS, j'ai rien à savoir ce qui fait vraiment des dégâts parce que. Moi, je sais que le fait que j'ai le trésor asséché m'aide beaucoup, mais je perds un peu en DPS, on va pas se mentir. Après, j'ai eu toute une. Deux phases où j'avais pas de lourde. Zéro lourde sur deux phases. Linéaire et tout, le truc à distance, mais quand elle a le shield, tu lui fais rien quoi. Faut péter une fois Warlog au mid là. Pour faire apparaître le deep sight. Ah bah, il est là le deep sight. Du coup, tout le monde pète spectre dans mon chat, je crois, j'ai rien compris. J'ai mis le deep sight, je vais crever, mais au moins vous avez le deep sight. Il y a le torse, le genou. Et la main, je crois. Merci pour vos follow, les gars, merci beaucoup. J'ai oublié de faire ça. Y'a quoi? Y'a torse, main, genou, ouais. C'est une sodomite. Torse, main, genou. Oh là là, mais c'est. Je peux pas m'en aller. Non, vraiment, c'est un cauchemar. C'est un couche. C'est... Ah là, m'a verrouillé vraiment contre la paroi, j'ai pas pu me barrer quoi. Alors, le pire truc, attendre un mob dans une zone. Je crois qu'en plus de la ruche quoi. Genre, le plus gros troll, qui se rappelle pas de Cropta où fallait attendre le porteur comme un trou du cul quoi. En parlant de porteur, tiens. Crève ta mère. Ça va le faire, ça va le faire. Depuis le middle. Un couche, mec. C'est un fucking couche. Mais dis-toi aussi, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on met 4 tours. On met 4 tours à 3, imagine solo. Hein. Genre, c'est ça qu'il faut se dire. Il y avait tête et genou, c'est ça? Ouais. Le torse, je suis dessus là. 46 mythes sur ma position. Ok. Genou, ça sera depuis la main. Vaut mieux pas se remémorer le try parce que c'est un coup à déprimer. Moi je trouve ça drôle, j'en ferai un short, je pense. Ah ouais, c'est drôle. On t'inquiète pas, on en rigolera, mais juste après avoir fini là. On en rigolera à ce moment-là. C'était le genou, on est d'accord. Hein. Ouais. Ce sont les mythes. Oh, v'là l'autre pute. Oh, v'là Warlog. Bah, dis, entre les mythes, tant qu'elles t'ont pas défoncé, elles s'arrêteront pas. Hein. Je suis obligé de bouger parce que là. C'est bon, il est mort. Bah, ok. Moi aussi. La grosse mythe. Go pleurer, ou on va pleurer un peu. Non, USS, le donjon est pas compris dedans. Je vais chercher le star là. J'arrive avec toi. Solo au moins 20 tours. Enfin, ça me rappelle. Après, ça me rappelle le dernier boss Flèche de la Vigie. Mais le truc, Flèche de la Vigie, c'est que t'activais le DPS en. J'aurais les 3 points moi. Là, j'ai les 3 points ici. J'ai pas de symbole alors. Ah si, ok. C'est la croix. C'est ça le problème, on fait faire des tours, c'est pas un problème quand l'étape elle est rapide à faire, mais là elle est si longue. Déjà à 3 elle est longue, ouais. Attends, je vais le péter, Marston. It's my thoughts, I actually don't know. I was wondering myself, so I have to figure out. Il faut le deep sight là. Ouais, attends, on va sortir nous. But I think the best DPS meter is clearly a Nizanagi with a. Chaser maybe where ok, je peux faire le. Il y a un peu sur la fond. Je peux faire le deep side, fufu. Il est où ce fufu? Ah, ça va encore, il est pas trop chiant celui-là. Il reste 20 secondes et elle est sur moi la seule. Elle est sur moi. Moi là, j'ai le genou. Il me reste 16 secondes, on est bon. C'est bon, c'est fait. Pareil. C'est lequel qu'on a pas fait? C'est le chasseur. Hein. Ouais. Vas-y, go. On y est tous, attendez que je repars moi. Il y a moyen de faire un Warlock chacun. Je crois qu'ils spawnent l'un après l'autre. Si je dis pas de conneries. De toute façon là y'a rien à faire à part clean. Là c'est le égal du coup. C'est ça Ghoul. Un boss de fin de donjon est plus dur que Nezarek Day One. Ouais non mais oui. La
Après, encore une fois, je trouve que c'est une stupidité, enfin une difficulté stupide, quoi. Ah, mais c'est juste chiant, hein. De toute façon, c'est. En fait, la mécanique est superbe et tout, mais elle est un peu gâchée par cette difficulté absurde. En fait, si tu veux que ce soit free, tu prends un build full invis chasseur, mais tu DPS pas, quoi. Donc. Ok, si tu peux activer le deep sight, normalement il est assez safe par rapport au wallet, si elle a pas bougé, évidemment. C'est bon, c'est actif. Merci, Venom. Merci comme ça, en somme, dès que t'arrives, en gros, tu sais où tu dois poser, quoi. C'est ça. En fait, si le deep sight est pas actif, tu peux pas le poser. Attends 10 secondes. Allez, DPS. C'est là où je suis. Allez, c'est les 3 zones, hein, toujours. Oh là là. Sur nous. Ça, c'est beau, ça. Putain, je recharge. Ah oui, ouais. Oh là là. Oh, m'énerve. En fait, le agressif, c'est bien, mais tu perds tellement de balles à côté que vaut mieux un linéaire simple. Hein. Ah putain, puis je foire mon trésor. Plus de radiance. Oh là là. Fini. Tellement de tours en solo, il faut vraiment une strat costaud pour le DPS. Là, on DPS un peu. On prend le deep side dès qu'on peut. Limite. Ouais. Voilà, c'est Groomit, lol. Ouais, c'est Groomit à l'ancienne. Il faut péter l'autre merde pour. Oh putain. T'es follow. Ah non, il y a le deep side déjà. Follow sur les réseaux. Il faudrait que je passe Fufu là parce que. Attends, laissez-moi un mob que je passe Fufu. Ok, je m'occupe du deep side. Il y a Warlock sur vous. Attends, gardez-le le temps qu'on ait les zones. Moi, je clair les chevaliers, moi. Et un petit Kratos. Ok, on a torse, main, tête. Quelle main? La droite. Torse, main, tête. Bah, c'est parti. Et on a toujours le deep sight, attention. Ouais, 6 secondes, 5. Je sais pas où est Warlog, mais. Il est où l'autre pute, là? Il arrive. C'est bon, on peut l'enculer, il n'y a plus le deep sight. Ouais, oh, tu vas le con du course. Allez, mon con! Allez, il va faire tout le tour, c'est ça? Non, il est là. Ça a pas compté, hein. Quelqu'un qui l'a tué n'était pas dans la zone. Putain, si ça se trouve, c'était moi, parce que c'est peut-être ma greu qui l'ait fini, je suis sorti. Alors, je suis en train de me poser une question, si ça se trouve, en sautant, même en étant sur zone, genre, ça marche pas. C'est genre, faut vraiment être... Bah, essaye de sauter, regarde le bus sur gauche, c'est marqué Rituel Conducteur. Quand tu sautes, tu le gardes. Ah ouais, tu le gardes, ouais. Là, je suis bien dedans, on est bien tous dedans, ça a marché. Tu t'actives le symbole? Ah, c'est fait. C'est tête et torse, hein. Où est-ce qu'elles veulent? Attends, l'élite. Warlock, vas-y direct, on l'enquille, il est là. Même pas d'effet en chaîne en plus, c'est ça le pire truc, je pense. Ok, je vais faire le symbole. À côté de nous, attention les gars, à côté de nous. Là, ce sera là-haut du coup. Regardez le symbole de merde, active-toi. Putain, parfois c'est pas. Limite, les gars, limite. Tu sois bien au sol, sinon ça compte pas. Balance tes mythes, grosse pute. Elle a pas de mythe. Warlog. En cas, c'est pas TP, elle le met pas. Y'a Warlog qui arrive sur nous, mais faut qu'on aille en haut. Bon, faut aller au top, ouais. Bah, je sais pas, Dame, j'ai pas encore. Là, j'avoue que. Merci Pandore pour le follow. Mais les DPS, ouais, faut. Y'a sûrement mieux. Hein. Ouais, il y a sûrement mieux, je pense. En vrai, je pense qu'à 3, à 3, évidemment, un Divi ferait le taf. Je parle vraiment à 3. Un Divi à 3, c'est de la merde, parce que tu concèdes trop de DPS. C'est à 6 que c'est vraiment intéressant. Et du coup, Overlog... Regarde où il est. Allez, on se fout de sa gueule. Ah bah. Allez, le loser, on rentre chez sa mère. Allez, ouin ouin. Putain, faut le faire d'en bas. Ah, oh, c'est bon, elle se casse l'autre. Ok, je vais faire. Tu vas faire le chasseur? Ouais, vas-y, je vais là-bas. Tu m'accompagnes, Marston? Maître du tonnerre? Ouais, je sais pas, Popo, mais du tonnerre. Je vois que les maîtres du tonnerre sont fortes, mais après, c'est pas trop. Franchement, je sais pas. Pour qu'une batteuse soit DPS, je suis pas vraiment sûr quand même. Hein.
Après en solo pour moi c'est trésor asséché, je pensais au CO d'office. La longue vieux maritime peut-être. Ah ça colle hein. Rio hein, longue vue maritime une avec longue vue solo, non. J'ai pas de lourde moi, ça fait chier. Après, ah j'en ai là. Le perso et tout en solo faut brûler, savoir. Hein. Il brûle. Voilà. Et crank. C'était quoi le symbole? J'ai pas vu. J'ai pas regardé non plus. Je suis un fils d'up. Ça par contre faut prendre le réflexe. Hein. Bah on va tenter la chatte. Hein. Oh putain. En deux phases à la maître du tonnerre. Ok. Écoute, je teste la main. Je vais aller deep sighter et puis. Alright. Bah let's go chatter. Hein. Marston, allez, reste à côté de moi si je crève, comme ça tu me réas dans la foulée. Vas-y. C'est pas passé, tente chez moi. Ouais, je tente. C'était ça. Yes. Du coup, faut aller voir la prêtresse, voir le dernier symbole. Ouais, mon chasseur, moi donc. Je vais checker. Je te dirai du coup le symbole caché à la prêtresse, ça sera forcément l'autre. Ouais. Image de l'esprit dormant. Ouais, apparemment il est pas mal. Ah, c'est ce que j'ai, moi. Chicken Run, c'est comme. Voilà, c'est Groom Groom. Un code emblème ne marche pas chez vous. T'es pas le premier à nous dire ça dans les emblèmes gratuits, mais je crois qu'il faut insister. Je crois qu'il y avait un petit bug, faut insister un peu. Tu sais, il y a eu deux emblèmes gratuits offerts par Bungie hier. Ah. Mais non, mais c'est pas qui bug, c'est qu'ils sont pas actifs encore. Il y en a un que tu peux activer, mais ouais, il est pas actif. Chez moi, j'ai les 3 points, John. Eh bah, carré. Wap, hop, hop. New deal du. Bah ça c'est pas mal ouais. Le boss c'est un peu, tu vois, quand tu le connais pas, enfin moyen, c'est chaud. Quand on aura la strat DPS je pense que ça sera mieux mais... Pour le moment je préfère quand même le boss qu'il y avait avant là, avec les profondeurs et tout, c'était assez cool. Ouais perso aussi ouais. Je mets le deep sight. Je banque au mid. Ça va être DPS, hein, du coup les mid. Oh. Comment j'ai pu foirer ça. Elle est où la fait, oui. Je la vois même pas. Elle est là-bas. Plus de mouvements chiants, s'il te plaît. Oh, j'ai pas rechargé ça. Middle, genou. Putain, gros chien. Hein. Et ta mère, l'esclave, putain. Je peux pas la voir. Attends, je m'accroupis, si tu veux. Mais putain, d'esclave de merde. Plus de radiance. Bon, 3 tours. Joli point placé. Deep sight, j'active. On a genou, main, torse. Main droite, torse. Meet. Oh oui, putain, les meets. Ah, mais fous-moi la paix. Ah oh là. Genou, main, torse. Et main droite. Il y a Jean-Paul qui est derrière moi là. Il y a masse de mobs. Hein. Oh non, elle est là. Oh non, mais non. Genou, je vais péter Jean-Paul du genou là. Vas-y, je suis avec toi. Oh la vache, insupportable. Les chevaliers là partout. Faut aller le faire. Attends, j'y vais. C'est bon ? Attends, je suis en train de le faire. Ouais, c'est bon. Ah oui. Je vais quand même le tuer lui. Le chevalier de la tête là, il casse les couilles. Torse et main droite, on avait dit hein. Je suis sur le torse et il y a Wallace à côté de moi. Et vas-y, rame-toi là. Marston, tu l'emmènes où exactement? Oh, attends, après, on peut le tuer tant qu'on est là, on s'en fout, on peut le tuer. Mais la mitraillette, plus il va loin, plus c'est chaud. Limite. Ce sera le gnou pour le connect. Vas-y, à toi l'honneur. Elle n'est pas encore invoquée. Là, elle invoque. C'est quand tu fais le link, elle invoque. Je suis dessus. C'est bon. Il est où l'autre merde là? Je suis sur la main là. Ah oui, attends. Il arrive, je vous l'amène. Et Wallace. Oh là là, j'ai envie de chier la bouche. Ok, faut aller le faire du mid. J'y vais.
C'est une belle horreur quand même. Ok, je vais chercher la prêtresse. Regardez bien vos symboles. Hein. Ouais, je vais faire le chevalier pour une fois. Le point exclamation mythe. Vous savez, le tryhard en fait. J'ai les 3 points, moi. 3 points. Le reste, il est prévu par Bungie, donc c'est pas vraiment du tryhard de le faire. Hein. John, j'ai les 3 points de mon côté. Alors, moi, j'ai la moitié inférieure croix avec le Eagle. Ok. Où es-tu, Jean-Paul? Oh là là, et chevalier, en fait, j'aime pas. Hein. Ouais, il est chiant, hein. Ok, c'est bon. Ok, 3 points. Ce mec est juste immortel. tu peux deep sight ou. Attends, je m'en charge, je suis pas suffi. On aurait pu avoir fini aussi, gamer, mais on a décidé de la de pas faire son spectre pour la refaire en fait. Parce que c'était fun. Hein. Totalement. 3 points, c'est genou pour moi. Ouais, moi, c'est la main. Lequel t'as pas fait, le chasseur? Ouais. Moi, je suis dessus, toi. Vas-y, je vais essayer de choper des lourdes. Moi. C'est que de la stratégie, on imprègne la strat comme ça. J'avoue que le coup, quand même, c'est assez drôle. Franchement, c'est assez drôle. Effectivement. Tiens, je commence à pré-shot. Les gens dans le chat, vous préférez une rediff complète avec tous nos fails et tous nos trucs, ou je coupe juste les... Bien sûr, il y aura nos commentaires, nos trucs, mais je garde juste les moments où on a réussi. N'hésitez pas à me dire déjà. Yo Prism, comment tu vas? Parce que ça peut faire long. Je cherche des lourdes, mais ça non, peut faire un peu long. C'est compliqué hein, d'avoir des lourdes ici. Deep sight. Oh, le boss plein mythe comme ça, ça arrive. J'ai des lourdes au chasseur. Attends, deep sight, il est où le deep sight de merde? Ça, c'est DPS, mais il faut pas qu'il me tue. Je peux pas survivre. Je peux banquer, hein. Il faut que... Là, c'est DPS. Go. Je sais pas comment je l'ai eu, là, mais je l'ai eu. Ah, évidemment, ça j'ai pas de lourde, hein. Je préfère vous prévenir, j'ai zéro lourde. Allô? En face. Je me baisse pour que vous puissiez viser tranquille. Genou. Putain, on voit mon trésor qui passe à côté. Faut que je tire à le bras que je fous en l'air, la munition. C'est un vrai bonheur. On va refaire un passage, je te jure. C'est un truc de ouf. J'ai zéro lourd. J'envoie du gros Izanagi, mais j'en ai plus, là. J'ai même pas de greux, j'ai rien. J'ai plus rien. Rien. Non, j'ai pas envie de la refaire. Ok. Putain, des mines de merde, j'en ai plein le cul. Comment j'ai plus mon mini-marteau? J'en ai fait, moi. Des fails? Vous voulez quand même les fails? Après, je peux faire un timecode avec les... Genre, cherche de strat, try réussi. On aura torse, tête et main gauche cette fois. On a plus le deep sight, on peut le fumer la tête. Oh là là là, ah, je me fais démolir. Bon, merde, ce fils d'up. Et où Jean-Paul Rouble? Eh, hey, fais-moi le cul, grosse chienne. Ah putain, tellement Jean-Paul Rouble, il est chez Marston. On te le ramène. C'était quoi? C'était bras gauche, torse, c'est quoi? La torse, tête, ouais, et là où t'es. Allez, mon bon Jean-Paul, ramène ta vieille gueule, tu commences à saouler. J'avoue, le même délire que le porteur de Cropta. Ouais, c'est ça, hein. Elle veut pas se TP, l'autre chinesse, merci. Ah, elle est là, attention. Limite. Depuis limite, s'il y a Jean-Paul. Torse du coup. Il est remonté là-haut maintenant, mais c'est quand même un sacré escalier. En fait, c'est Marston. Regarde, Marston, il a toujours son aggro, mais il est toujours. Limite, je vous ai pété limite, les potes, c'est pour ça. Regarde, il en reste encore deux. Voilà.
Et du coup, voilà, il est bloqué là-haut maintenant. Oh là là. Bah, du coup, il y avait la tête, hein, donc bon. Et là, il nous attend là-haut, ce gros schlag. Et bon, on va aller le chercher. Pourquoi tu switches pas sur un éclaireur? C'est vrai que c'est pas con. Quand je suis en chien de. Je devrais switcher sur un éclaireur. Effectivement, c'est pas bête. J'y pense pas. La survie est un cauchemar. J'ai le boss plus le connard sur moi. Mais voilà, c'est ça. Comme dit John, c'est que quand t'es dans le feu de l'action avec 7 milliards de mobs qui t'enculent, de trucs. Tu n'as pas ce qui pourrait être pas mal, peut-être le. Comment il s'appelle? Qui tire les nanites là, le pulse exotique là. Infection parfaite. L'infection parfaite, ça peut être pas mal, hein, je pense, dessus aussi. Hein. Oui, pourquoi là, pas. Non. Ça, c'est les trucs en escouade. Ouais. Truc de squat de 6, sinon c'est de oui, voilà, ouais, c'est pas en escouade pour DPS quoi, solo, c'est vrai que c'est un petit... Il est où Jean-Paul Rouve là? Il arrive à gauche. Il est là, il arrive. Il est là. C'est insupportable, mais pour attendre un mob, d'être dépendant de l'attitude d'un mob, je déteste ça. C'est bon, il est mort. Pour l'instant, là, tout te charcute. Attends, je vais en haut activer le symbole. Et je vais aller chez le chasseur. Pas le chasseur, mais le chevalier, ça te gêne pas, John. J'ai besoin de récupérer des munes et j'en ai là-bas. Ouais, je vais au chasseur. Vas-y, j'y vais avec toi si tu veux. Ouais, je veux bien. Ah. Yo Zoran. Yo Richard. Ça va, ça nous aura valu une demi-heure de plus de. Mais merde! De foirer comme ça. Regarde bien ton symbole, hein, John. Ouais, t'inquiète pas. Moi, je sais pas, c'est un mec qui fait la houla. C'est une espèce de boussole, non? Le mec qui fait la houla, c'est très bien. Ouais. Il lève les bras. Okay. Lève les bras. De toute façon, c'est tellement un call spécifique que. Il y aura pas notre ils ont encore patché la mobilité du titan. Quand t'as la super messe enflammée, tu peux plus smash depuis les airs ou. Merci pour ton 3e mois de Prime, Tokinada. Merci beaucoup pour ton soutien, ça fait plaisir. Merci. Ah, du coup, faut que j'aille. Il a tapé dans le mur, il m'a envoyé de l'autre côté. Il a tapé dans le mur au lieu de me taper moi, j'ai envoyé dans le décor. Super. Fais gaffe quand on va sortir. Je crois qu'il a pas mis ses lunettes en fait. Attends, il faut Deep Sight, merde. Et c'est déjà fait. Ah ok. Bah moi du coup ça doit être la main gauche. Effectivement moi c'est la main gauche. Tu veux lécher le chasseur? Ah ouais toi tu comprends des trucs mon ref. On n'est pas dans la bonne catégorie là. C'est lequel le dernier que tu dois banquer John? C'est Clit. Donc le middle on se calera là-bas du coup. Du coup, Biak, ça se prend de la fatigue. On me la fait pas, moi. Je vais banquer, c'est les PS. Vas-y, on est à côté. Ah putain, j'y vais. Ah, ça va, il est safe. Je banque au mid. Hein, donc, vas-y. Ah la pute. À droite. Pour les esclaves en bonheur. Vas-y, on s'en branle. Le spectre! Le spectre. Oh, on est tous dessus, tiens, crack 3 là! Crack, ah, un gros chouin, bon. Elle s'est pris une triplette là! Ah, là je les rush, hein! Direct, je dis c'est bon! Ah, bah bien joué! GG, merci! Les éloges! Je viens de les faire, moi, me faites pas chier! J'ai eu que des armures, dont un doublon. Ça donnait quoi le DPS là, un petit peu là? Ouais. Merci pour les GG. Merci Pandore. J'ai pris quoi? Sniper et. Merci pour les GG. Le sniper de la crypte. Okay. 4 millions. Merci à vous. Ouais.